Bonsoir. Bon, Bonsoir. bonsoir à notre invité, Monsieur Jean Lassalle. Bonsoir, Monsieur Jean Lassalle. Je vais pas faire l'accent du sud. Voilà. J'ai la voix cassée. La question Je du le fais que sud. pour les médias, en Impossible. vrai je parle pas comme un débile. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Putain, t'as vu là, il y a une vidéo, c'est trop drôle, de Jean T'as du Lassalle. codécrypte? Non, 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 c'est une vidéo, tu sais, de genre Ouais, trop 30 drôle. secondes. C'est Jean Lassalle, il est dans l'avion, tu vois. Et il se balade dans les rangées pour récupérer le fromage des gens, tu sais, sur le plateau repas de l'avion. T'as un petit bout de camembert emballé, là, comme à la cantine. Ok, ouais. Et il vient réclamer le fromage de tout le monde, genre... J'aime le fromage, tu vois. Et il leur fait des bisous sur le front, mais c'est lunaire. Pour les remercier, c'est lunaire. Mais de toute façon, franchement, Ça je me suis content fume. qu'il existe dans tous les cas. Ça me fume. Il a fait des trucs stylés en plus. On le tourne toujours au ridicule, mais vas-y. Va taper un mois de grève de la faim. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va checker vite fait, quand même, que le son est bon. Pourquoi j'ai plus la connexion? Allô? Moi, je m'entends. Tu peux Allô? parler pour voir? Ben, je parle là. Putain, j'ai pas de connexion. J'ai un peu d'écho. Ok, c'est bon, je t'entends bien. Nickel Chrome. Moi aussi, je m'entends bien. Et toi, t'as de l'écho. C'est chelou. Non, j'en ai plus, j'en ai eu quelques secondes, mais j'en ai eu à un moment, ouais. Ok. Très bien. Donc, ouais, nous allons, mesdames et messieurs, nous allons passer en revue, survoler les programmes présidentiels pour un peu... se mettre à la page, hein, voyez. Voilà. C'est pas dit qu'on fasse tout bien. C'est même dit que c'est sûr que ça va pas être C'est bien. certain. C'est Ça va certain que pas être ça va bien du être nul tout. à chier et très sommaire. Hein. Ça va être très sommaire, bien sûr. Ça va être bien sûr très très dans l'amateurisme. Ça, c'est clair et net. Mais bon, de toute façon, c'est à destination aussi des amateurs, tu vois. Genre des mecs comme moi qui s'y sont jamais vraiment intéressés. Et puis quand tu vois la tête des programmes, va t'y intéresser et prendre le temps de fouiller et de comprendre. Franchement, Ben, c'est si vrai t'es pas que. rémunéré pour, moi je ne le fais pas. En temps normal, Et je ne le fais pas, encore, tu vois. et moi je me suis tapé les 5 heures de bilan économique du programme de Mélenchon. Ouais, alors Je t'explique ça pas doit être sans encore faire mieux. de ligne de compte comment c'est pas de couilles. Hein. Mais ça, tu vois, ça m'aurait intéressé parce que bon, bah voilà, le côté financier m'intéresse aussi. Mais bon, de toute façon, 5 heures, c'est Oh. abusé. Et puis après, c'est tant mieux s'ils le font, tant mieux. Bah ouais. Hein. Mais bon, c'est clair Ils que sont un peu obligés c'est aussi. très compliqué de s'y intéresser. Tu votes à la tête des gens ou tu votes comme tes parents. Tu sais en gros les lignes directrices, parce que de toute façon, voilà, les lignes directrices sont connues. Mais quand tu regardes dans le détail, moi, je ne saurais pas te sortir. À part les mesures qu'on fait polémique, en fait. En fait, Ouais. quand tu t'y intéresses pas trop, bah tu regardes les polémiques et puis tu connais quelques mesures, mais ça s'arrête là en fait. D'un Donc on côté, il n'y va... a pas que le programme qui compte, quand même. Bien sûr. Il y a leur discours aussi. Bien sûr. Aussi bien que voir leur discours, de voir leur programme, voir comment ils parlent à la télé, de quoi ils parlent, c'est déjà intéressant. Ouais, c'est sûr. Ok, bah écoute, je te propose de se lancer directement dans le vif du sujet. Lançons-nous dans le vide du couvert. Alors, je nous ai fait une scène. Donc là, normalement, tu vas te voir. Alors, j'ai préparé le truc, hein. Tu t'as dans le retour, là, tu t'es? Ouais. Bon. Bon, là, c'est la liste des candidats dans l'ordre. Donc, on a décidé de procéder comme ça, dans l'ordre de, en gros, des sondages. En fait, on va passer en revue rapidement les petits.
Et après, on va passer en revue très rapidement les grands. Non, voilà, les petits, on dit qu'on les passe en revue vite fait. Et après, on s'intéresse un peu aux grands. Donc là, ils sont dans l'ordre pour lequel on va en discuter. Alors, je vais donc. Ben, on attaque, on va commencer par Madame Artaud. Alors. Magnifique ton écran de stream, c'est incroyable. Donc là, tu as le programme. Voilà. Là, c'est l'ordre dans lequel on commence par la révolutionnaire. Bah, c'est la Allez, plus petite. révolution, les C'est armes. la plus petite. Alors attends, je me mets sur la slide correspondante. Voilà. T'as vu, à côté, j'ai fait un petit truc pour prendre des notes. Si, je m'étais mis dans ma grande motivation, l'idée de faire une synthèse. Bien sûr, ce sera jamais fait de la vie. Mais Bien bon, si sûr, jamais mais. on veut noter des trucs ou des sujets qui nous ont intéressés, ou tu sais, juste genre prendre des notes sur des sujets qui mériteraient par exemple une petite discussion centrée sur ce sujet-là, un autre live, enfin, tu vois ce que tu veux, quoi. Ouais, bah bien sûr. Alors, Il aurait temps Artaud. rapide. Artaud, qu'est-ce qu'elle nous propose? La lutte armée, la guerre, Bon, alors, ça fait quatre pages. révolution. Ça fait 4 pages, c'est ce que j'ai pu trouver. Je ne sais pas si c'est exactement son programme complet. J'ai l'impression qu'il Bah, était plus sur ça a l'air d'être. Non, son ça c'est son site. flyer. Mais sur son site, il y avait un peu masse de trucs, mais c'était dur à comprendre en vrai. C'était pas clair son truc. Bah oui. Alors, donc Programme de lutte. en synthèse. Le camp des travailleurs doit se faire entendre. Voilà, il ne faut pas laisser notre sort entre les mains des dirigeants actuels. Donc, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, augmentation générale et massive des salaires, allocations et pensions avec un minimum de 2000 euros net. Yo, salut! Salut, Ntakomu. Indexation des revenus des travailleurs sur l'augmentation des prix. Oui, d'accord. Zéro chômeur grâce à la répartition du travail entre tous sans baisse de salaire. Contrôle des travailleurs, des comptes des entreprises, des capitalistes et des politiciens à leur service. D'accord. Donc, elle augmente les salaires. Ouais. Je Bah, sais pas comment aborder le je sais truc pas autre. comment elle le fait, même si je me doute. Alors, est-ce que là, elle nous dit comment elle le fait? Ah là là, là 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 là. Ouais, en gros, ce qu'elle te dit, c'est que quand les prix augmentent, tu augmentes les salaires. C'est ça l'idée. Oui, il faut augmenter les salaires. Non, Donc mais en de gros, toute façon. c'est tu obliges le patronat à augmenter des salaires quand ils augmentent leurs prix, quoi. Voilà, ben, très probablement. Parce qu'en fait, on va avoir deux types de mesures différentes pour l'augmentation des salaires. Donc, il y a ceux qui augmentent le salaire minimum, y compris le salaire brut, genre le SMIC brut. Et il y a les candidats de droite, hein, du coup, qui, eux, n'augmentent pas le brut, mais diminuent les charges sociales. Et du coup, ils font une augmentation du SMIC en diminuant les charges sociales et en fixant le SMIC. Ok. Sympa. Donc, au lieu qu'il y ait, en fait, les 150 euros que tu vas toucher en plus, c'est 150 euros qui iront en moins à l'école, aux universités, à la sécurité sociale, et ça va souvent avec des mesures de rendre tout ça payant, forcément. Ok. Alors ça, est-ce qu'elle en parle après? Peut-être, on le verra. Ensuite, donc elle est en mode donc pour contrer le chômage, donc répartition du travail entre tous. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit sur ça? Des millions de travailleurs privés d'emploi. Il faut répartir le travail existant et créer de nouveaux emplois utiles. Et ce, quoi qu'il en coûte au patronat. D'accord. Contrôle des comptes par les travailleurs. Ok, ça c'est un peu la transparence, j'imagine, des. Elle veut la transparence de toutes les entreprises, j'imagine, ça va être un truc comme ça. Ouais. En plus, je crois qu'il y a eu un scandale et une loi il n'y a pas longtemps
Genre Macron a renforcé le secret des affaires, je crois, mais je suis pas spécialiste de ça. D'accord. Je mets salaire, je mets répartition. Je suis motivé là, tu vois, je suis au début, donc Ouais, bah ouais. On va transparence. passer 1 heure et demie sur Nathalie Arthaud et c'est tout. Un live par candidat. Non mais t'as raison, on va accélérer. On va accélérer. Bilan, elle est super moins stylée que Arlette Laguiller. Hein. Arlette Laguiller, elle était stylée. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? L'illusion du protectionnisme, réindustrialisation et relocalisation, ok. Contre la guerre et l'impérialisme, ok. Oh, dommage. Le camp des travailleurs ne connaît pas de frontières. Après, elle se taille un peu, elle taille un peu les autres. Bon, ça, ok. Le capitalisme en faillite et elle parle un peu écologie. Ouais, bon, Alors, son programme c'est moins bien noté au niveau de l'écologie. ouais, Parce tu qu'en as gros. les notations. Il y a un De truc qui est quoi? sorti aujourd'hui. J'ai vu un graphique aussi sortir aujourd'hui sur les justement le côté Ouais. écologie de chaque candidat. Ouais, bah c'est les entreprises qui avaient fait ça, je crois. C'est qui? C'est un mec plutôt un peu macroniste. Mais du coup, voilà quoi. Oui, t'as Bon bah commis, de toute on façon t'inquiète pas, on te on peut fera résumer hein, honneur. Nathalie Arthaud, c'est assez simple, c'est que la lutte des classes, Ouais, c'est ça. toutes les autres discriminations on s'en fout. Du coup va pas trop y avoir de trucs pour le sexisme et tout, pas trop de trucs pour l'écologie, pas trop des autres trucs de woke quoi. C'est que la lutte des classes et c'est par la lutte des classes qu'on va tout changer, donc il n'y a même pas vraiment de sexisme parce que c'est juste du mépris de classe, quoi. Ok. En gros, c'est ça, quoi. Bon, c'était la fin. C'était la fin. On passe au suivant. Allez. Alors, le suivant, c'est Qu'est-ce Poutou. Poutou. Poutou, alors on va choper le programme de Poutou. La lutte Voilà. ouvrière, ils osent plus mettre la lutte armée comme avant, en hein, préparation de la lutte armée. Je veux savoir Ouais, si c'est ça. C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. ils sont moins dans la prise des armes et tout. Ouais, bah il y a encore des militants qui ont des armes a priori, hein, mais de toute façon, c'est ça la ligne historique du parti. Ok. Oui, effectivement, Intacommu, c'est ce qu'on disait, c'est ce que disait Justin là, c'est qu'elle prend, elle est un peu vieux jeu parce qu'elle prend pas en compte de nouvelles luttes en fait. Fait, Ah c'est un peu ouais, ça c'est que la l'idée. lutte des classes. C'est ça. En fait, elle est encore au charbon. Mais il y a une idéologie derrière, c'est que c'est un peu des trucs capitalistes, que ce sera récupéré par le capitalisme. Les comptes les woke, par exemple, au même titre que les autres. Parce que tout ce qui compte, c'est la lutte des classes, et après on verra. Ouais, De toute façon, ça résoudra tout. ok. Alors, notre Poutou national, l'urgence anticapitaliste. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, bon, il y a son sommaire. Ok. Urgence écologique et sanitaire. Urgence sociale, urgence démocratique, égalité des droits et solidarité par-delà les frontières. Prendre l'argent là où il est. Oui, alors, Alors, ça donc, c'est facile. full anticapitaliste. Oui et non. Oui et non, alors vas-y, développe. Ben, Enfin, je veux dire, il s'appelle prône Nouveau moins la Parti révolution, Anticapitaliste, quoi. mais C'est-à-dire que ça reste. un peu moins révolutionnaire. Oui, mais il prône quand même l'action sociale, par contre. Là, c'est de toute façon, c'est pas fait pour être élu. Le but, c'est de faire passer des idées pour Oui, favoriser l'action sociale c'est dans la vrai. rue.
Alors, on nous parle du capitalisme. Ça, c'est juste Là, il taille la un peu la description de notre gauche. monde de merde qu'il y a au début à chaque fois. Pour Macron, ok. On sait plein de Réquisitionnement droits. des grandes entreprises. De quoi? Il socialise les secteurs clés en fait. Ouais, Donc il faudrait dit voir lesquels, mais en énergie, effet. énergie pharmaceutique, transport, communication, industrie. Industrie pour les secteurs clés, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est en effet les secteurs clés, je pense, hein. Effectivement. Énergie, pharmaceutique, transport, Ah, il fait un communication truc et. aussi avec les banques. Il fait les banques seront fusionnées pour constituer un monopole public du crédit. Ok, ouais, ça Donc je m'y pareil, connais ce... pas assez pour savoir quelles conséquences ça pourrait avoir. Pour le coup. Ouais. Alors, ensuite, urgence écologique et sanitaire. Alors, Alerte. qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de la transition écologique. Il montre que en gros, le gouvernement actuel, comment dirais-je, ne respecte pas ses engagements en matière d'écologie. Ah, il est Qu'est-ce qu'il aussi propose? anti-nucléaire. Prendre le contrôle à la transition écologique. Donc il revient sur la socialisation des secteurs clés de ce truc-là. Sortie du Oui, nucléaire, bah. effectivement. Énergie fossile, effectivement. Ok. Ouais, je pense, outre Arrêt le du fait que nucléaire en le 10 ans, chauffage lui. c'est un truc de première nécessité, la socialisation des énergies. Ça regroupe aussi le fait que elle puisse transitionner vers un truc plus écologique, que on se prenne pas des problèmes avec Total, c'est un moyen de lutter contre l'impérialisme et des trucs comme ça, tu Oui, vois. c'est ça. L'énergie, c'est quand même un genre ne plus faire de mines d'uranium en Afrique où t'as servi les Noirs. Oui, c'est J'ai pas ça. le droit de dire ça. Il passe par la socialisation. Comme ça, en gros, il a le contrôle et ça lui permet de faire la transition tranquillement, quoi. En fait, Donc, c'est ça l'idée, je pense. ça lui permet de supprimer le lobby, en gros. En quelque sorte. Ben oui. Oui, ben reprendre un peu. Il y a ça aussi. Bon, probablement pas tout à fait, parce qu'il y aura Bisous. toujours les lobbies étrangers. Et du coup, le débat qu'il y a là-dessus, notamment pour le nucléaire, c'est est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre l'indépendance énergétique sans le nucléaire. Et si c'est pas le cas, est-ce que ça veut dire que du coup, ben, on est vachement dépendant de d'autres pays qui, eux, peuvent faire n'importe quoi? C'est ça la grande question, quoi. Oui, effectivement. Il y a Effectivement. pas mal de gauchistes qui sont plutôt pro-nucléaire quand même. Mais pas là, quoi. Ok. Alors ensuite, il nous parle de l'agriculture. Donc fin de l'agriculture intensive. Tout biologique sur 10 ans. Dans 10 ans, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Déjà, il y a des mesures plus claires que Nathalie Arthaud. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est le cas de le dire. Bon, après, il tartine quand même 32 pages, donc il a le temps peut-être de... Mais moi, Nathalie, j'ai pas pu retrouver exactement tous ces points. J'imagine que sur tous ces points, elle est très claire aussi, hein. Mais Les petits points là. là, c'est quand même plus concret en mode... voilà, une ligne, un thème, les objectifs, et puis voilà quoi. Transport 100% public et gratuit. Ok, alors ça Finalisation des forêts de 20 hectares, ça j'aime bien. comment il fait? T'es où? C'est juste au-dessus. C'était quoi? Nationalisation des forêts de plus de 20 hectares. Alors, en même temps, c'est n'importe quoi de pouvoir posséder des forêts. Je sais pas, c'est quoi cette idée? Et Tu vois, c'est ma forêt là. ça te permettrait quoi au-delà de dire genre les gens ils peuvent marcher dans la forêt? Eh ben, préserver l'habitat de la forêt. Ah oui, tu veux dire Parce que par rapport au ne fait que pas ce en soit des faire une zone entreprises, par exemple. de chasse, notamment ne pas en faire une zone de chasse,
des trucs comme ça. Oui, d'accord. Ne pas déforester pour le bois. Ok. Je me demande si ça, je me demande si ça compte pour 20 la ars, je mine. sais pas ce que c'est. 20 hectares. Bah, nationalisation, quoi. Ouais, d'ailleurs, ouais. Développer des transports 100% publics et gratuits. Ouais, alors il explique pas. Alors peut-être qu'il explique après, non, il est sur la santé après. Qu'est-ce qu'il fait? Augmentation du versement en transport pour les entreprises de plus de 9 salariés. Je sais pas ce que c'est ce truc. Pour pouvoir payer les développements des gens qui travaillent, je crois. Je Et sais les pas. déplacements des gens qui travaillent. Ah, Non? peut-être. Je suis pas Peut-être. sûr. Bon, il explique pas vraiment comment il le fait, mais Quand même, la création des régies publiques sous contrôle de salariés et des usagers. Priorité aux frais fluviales et ferroviaires, des blablabla comme ça. Priorité aux frais fluviaux et ferroviaires, ça veut dire supprimer l'avion, quoi. Ouais. En gros. Ben, je pense que c'est un gros truc, ça s'inscrit dans un gros truc écologique. Ouais, qui doit être interdit sur les circuits courts. Bah oui. Bah c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, hein, il faut bien le reconnaître. Hein. C'est Bah, c'est sûr. probablement pas tenable. Je comprends que ce soit pratique. Mais ça va faire chier beaucoup de gens. Bah, c'est-à-dire que pour moi, si vraiment tu te mets à développer le ferroviaire en conséquence, parce qu'en fait, l'aérien. Alors l'aérien, des fois, il est utilisé en mode abusé, tu vois. Genre, effectivement, tu prends l'avion pour faire un Lille-Lyon, bah, t'as le Oui, TGV qui te fait le même c'est un truc sur la même durée. marathon. Enfin, là, c'est abusé, tu vois. Par contre, pour te tartiner du, je sais pas, du Lyon-Nantes, enfin, tu sais, faire la France dans l'autre sens, là, dans l'horizontale, bah là, le train est à la ramasse, la route, c'est merdique, tout ça. Là, l'avion, ça vaut le coup, toi. Donc après, Ah c'est ouais. sûr que si tu développes le ferroviaire pour de vrai, Ça en évite de 10 ans, construire des voies et de devoir passer par Paris tout le temps. bah c'est ça. Si tu te développes pour de vrai, why not? Et c'est sûr que le train sera toujours mieux. Ouais, mais bon. Alors, ensuite, la santé. On va commencer à accélérer, mon coco. La santé, industrie pharmaceutique. Donc, exproprier l'industrie pharmaceutique. Bah oui. Donc, bah là, il n'y a pas Voilà. de Tu sujet. Il n'y a vois que pas de ça sujet, va, il là. dit pas leur dire les accusés de crimes contre l'humanité ou des machins comme ça. Ouais, ça va. Ils veulent juste les exproprier. Et lever des brevets. Bah oui. Je me demande Bon. pourquoi ça. Bon, ensuite, sauver l'emploi, émanciper le travail. Il y a urgence à Pardon. répartir le travail pour supprimer le chômage. Donc lui, il réduit le temps de travail. Oui. Il augmente les congés payés. En gros, son raisonnement, c'est de dire que t'en as qui s'usent au boulot et t'en as qui travaillent pas. Donc faut faire le nécessaire pour réduire le temps de travail de ceux qui travaillent pour redistribuer quoi. Ah ouais. Et puis c'est Alors, pas seulement que est-ce qu'il baisse la retraite? c'est aussi pour les chômeurs, parce que ben c'est quand même pas qu'une histoire qu'ils s'usent pas au travail. C'est que ben, ils ont pas de travail et du coup ils sont pauvres. Oui, c'est sûr. Et il augmente Alors que aussi les c'est mieux salaires de là. ne pas être pauvre. Il augmente aussi les salaires. Ouais, un peu moins. Et il te met un plafond de salaire. Ah, il le met à combien le plafond? 5 fois le SMIC, il met. Mais est-ce qu'il parle de... Je Alors pense là, qu'il la parle d'un question revenu c'est. salarial moyen, quoi. La question c'est quand même ce que tu appelles les salaires, parce que bon. Ah bah oui, Ça compte pas c'est pas les le retour dividendes. d'investissement des actionnaires. Normalement, salaire c'est que C'est pour les ça. employés, quoi.
C'est ça, je pense qu'il parle que des employés et pas des cadres ultra supérieurs et tout, à mon avis. Mais je sais pas. Mais c'est un peu vague. Après, en vrai, si ton SMIC il est à 1800, 5 fois le SMIC, tranquille, hein, ça fait 9000 euros, Ah non, mais c'est clair. tranquille. C'est clair. Tranquille. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'un jour dans ma vie, de toute façon, je toucherai 9000 euros, donc Non, mais et à la puis limite. ça, c'est clair que c'est déjà largement suffisant, je pense. Alors, il Je passe la pense pas retraite à ça. 60 ans, 55 ans pour les travaux pénibles. Je trouve ça quand même assez normal, personnellement. Pré-salaire. Retour à ce qu'il y avait avant, en fait. Pareil, dans un contexte de chômage et où l'espérance de vie baisse. C'est ce qu'il disait avant, c'est l'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier est de 59 ans. Donc en gros, tu travailles, puis t'es malade et tu meurs. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Laisse tomber. Ok. C'est triste. Alors, ensuite, il parle des services publics. Préserver et étendre les services publics. Bon, bah, ça, Ah, un salaire pour les jeunes aussi, pré-salaire pour les jeunes, bon coup. Ouais, Mais ça, pour les... ça c'est que des mesures qu'on va retrouver dans le programme de Mélenchon, hein, donc. Ouais. Oh. Bon, le public, forcément, en socialisant, il... J'imagine qu'il crée des trucs dans le public. Bah oui, hein. Émancipation de la jeunesse. Alors, malgré tout, là, dans ce qu'il dit, tu vois, il parle des médecins et de l'école, où il manque des trucs. Donc, et il manque en effet des fonctionnaires, sauf que ben, ça se recrute pas en 15 jours, ça, c'est de toute façon. Pour les former et tout. Moi, je me pose toujours cette question-là. Ça, je me demande comment Ah ils le bah, font, où ils les trouvent, ces gens. c'est clair parce qu'en fait ta formation elle dure quasiment un quinquennat. Donc en fait Ben, oui. c'est Alors que par exemple, ben, après, c'est parce que je suis pas spécialiste du programme de Poutou, je sais, par exemple, Mélenchon, je sais comment il fait. Tu vois, il titularise tous les contractuels. Oui, d'accord. Du coup, là, je vois bien. C'est en effet un stock de gens qui ne sont pas fonctionnaires et qui pourraient le devenir. C'est pas absurde, on peut en dire ce qu'on veut, mais je comprends l'idée, quoi. Ok. Pareil, pas plus de 20 élèves par classe dans les lycées. Là, on en est à 35, 35-40. Ça veut dire quasiment deux fois plus de profs. C'est Et vrai. on n'a déjà pas assez de gens au concours. Donc, ou deux fois moins d'heures de cours. Ce pourquoi moi, je serais plutôt pour. Ça peut être sympa aussi, hein. Parce que ça, c'est quand même une bonne question, parce que il n'y a pas de truc sur la diminution des heures de cours, alors qu'il propose d'aller vers les 28 heures, ce qui veut dire qu'un lycéen travaillerait 6 heures de plus qu'un salarié normal. Ouais. Tu vois, il y a forcément une diminution du nombre d'heures de cours, je ne veux pas croire le contraire. Mais l'extrême gauche n'ose plus faire des discours anti-école maintenant. Il y a quand même ça, hein. Il n'y a plus beaucoup de groupes anti-école. D'accord. On avait avant. Alors, urgence démocratique et égalité des droits. Donc lui... Il change la Constitution. Suppression de la présidence de la République et du Sénat. Donc il fait quoi? Il fait des référendums d'initiative citoyenne. Ouais, l'ORIC. Alors Assemblée locale. ça, je veux bien en parler du RIC. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont le proposer. Ouais. Il y a quand même des trucs à dire dessus. Tu sais ce que c'est comme en Suisse. Oui, je sais ce que c'est. Bah, il y a quand même un des problèmes, par exemple, un des débats qui moi m'intéresse sur le RIC, c'est que comme il faut un certain nombre de signatures, forcément, il se trouve que ceux qui détiennent les médias, par exemple, ou les grands patrons, auront beaucoup plus de moyens pour faire de la pub pour les référendums, pour à la fois qu'ils émergent et pour le résultat total. Ça, sans réforme du système des médias
et de la communication, quoi. De toute façon, il y a un Ça peut sujet avec ne les rien médias. changer. Il y a quand même un gros sujet avec les médias, quoi, à un moment donné. Ben, à un moment, Faut leur en oui. parler des Ben, médias, quoi. c'est une des raisons, justement, pourquoi, indépendamment du programme, c'est important quand même, les présidents. Parce que, dans tous les cas, ils vont pouvoir nommer des gens à la chef. En haut du service public, des chaînes de service public, Oui, c'est tu ça. vois, ben, le CSA, mais France 2, France 3, tout ça, en fait. Oui. Donc ça fait forcément du ménage. C'est pas un hasard s'ils sont tous un peu pro-Macron. C'est aussi parce que tu fais du ménage là-dedans, parce que c'est un service public, C'est les ça. chaînes de télé publiques. Ou ben évidemment, en plus des discours qu'il va faire, il y a certaines chaînes sur lesquelles le président influe. Pas à contrôle à 100%, mais influe. Ok. C'est proportionnel à toutes les élections. Alors ça, c'est quoi ça? Ben, la proportionnelle, c'est comme pour la mairie. À toutes les élections, ça veut dire principalement pour les parlementaires, pour les députés. Donc en gros, le principe, c'est, par exemple, tu le fais par région, tu attribues 30 députés à la région, au lieu d'en faire un par département, ou je sais pas, tu vois, comme ça. Ça dépend du nombre de gens. Tout le monde vote. Et en fait, au lieu qu'il y ait un gagnant, que le gagnant remporte tout, chacun propose une liste. Est élu le même pourcentage de la liste que le pourcentage qu'ils ont eu. Oui, d'accord. Par exemple, si on va faire, il y a 10 candidats qui peuvent être choisis, tu as 10%, et ben toi, tu as le premier de ta liste. Le Ouais. parti qui a 20%, il en a deux, il a les deux premiers. Le parti qui a 70%, il en a 7. D'accord. Hein, Ok. et ça marche comme ça pour la mairie, notamment. Les municipales, c'est déjà comme ça. Après, je vois pas pour quel autre type d'élection ça pourrait être, parce que les municipales, c'est déjà comme ça, et les présidentielles, t'élis un mec. Oui, mais Donc, à lui, moins que il veut supprimer la présidence. suppression de la présidence de la République et du Sénat. Oui, Je en effet. Bah, du coup, ils pense que c'est veulent. pour ça. Bah, ça, du coup, c'est une République parlementaire, et ça se rapprocherait un peu de la Troisième République, quoi. Je pense. Ok. Ce qu'il y avait avant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Alors, désarmement de la police. Désarmement de la police. Ah oui, c'est après. Parce que je n'ai pas regardé Bon, ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a rien de spécial à en dire, si. Ben, ça, c'est par exemple pour si jamais il y avait des révolutionnaires, c'est une des raisons de pourquoi certaines lois peuvent faciliter la révolution. Parce que c'est plus facile de faire la révolution que t'as pas 50% de policiers FN avec des flashballs en face de toi, tu vois. C'est sûr. Voilà. C'est un peu ça l'idée, hein. Évidemment, c'est un syndicaliste, il est dans tous les mouvements de la rue, donc il dit les mecs en face de moi, j'aime mieux qu'ils me tirent pas dessus. C'est clair. Ce qui est relativement logique, en un sens. On légalise le cannabis. Justice et vérité pour les victimes de violences et de crimes policiers. Ce serait bien, hein. C'est où que t'as Mais vu ça? pareil, moi j'ai besoin de voir comment ça s'organise ça, Ah, ça, parce oui. qu'il y a quand même un vrai problème de qui juge les juges, qui Ah fait bah la oui. police de la police, Bah oui, bien tu sûr. vois ce genre de truc. Ah bah là, t'aurais des trucs à... Là, t'aurais du ménage Donc à faire. y a de quoi voir. Tu vois, il faudrait voir comment ça se fait. Je pense qu'il faut aller vers ça, bien entendu. Qui est contre. Laisser. Bah, si, en fait, il y en a qui sont contre. Hein. Merde, j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps. Ah oui, alors, ça pourrait être mal, parce que certains pensent que on ne doit pas décrédibiliser la police et que c'est un peu à elle de se salir les mains et que c'est pas favoriser la sécurité et l'ordre dans le pays que de rappeler qu'ils font n'importe quoi. Il y en a d'autres qui pensent que, en fait,
pour arriver à ce stade-là, il vaut mieux qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Ouais. Là, actuellement, vu le bilan de Darmanin, il est plutôt dans la première catégorie. Ah bah c'est Par sûr. exemple, toutes les violences internes à son service ont augmenté, les agressions sexuelles de policiers ont augmenté, tout a augmenté. Et lui, il s'en justifie parce que il a saisi plus de drogue que d'habitude. Ouais. J'ai entendu dire que il n'avait quand même pas totalement résolu le problème de la drogue en France et qu'il y avait encore des moyens de s'en procurer. Mais Ah, après, non, ça, on n'en sait rien. c'est des oui-dire, moi je peux pas savoir. En fait, il a cru, enfin, il a mal compris le terme de croissance. Tu sais, il a cru qu'il fallait tout faire augmenter, même les Bah, mauvais il a... paramètres. C'est bien. C'est bien, ouais. Oui, non, mais oui, La mais... courbe, elle Ah bah, il est augmente. bien, Mais la lui. courbe, elle augmente, monsieur. Franchement, il est un peu lunaire pour moi. Je trouve ça relativement incroyable. Ça, c'est incroyable, ça, je te l'accorde. Je comprends pas comment les gens de droite font pour militer avec lui qui est déjà ministre de l'Intérieur de toute façon. Qui dit que en gros Marine Le Pen irait pas assez loin avec la police, tu vois, donc c'est vrai que ça leur prend. C'est quoi de pas être satisfait de ça quand t'es de droite. Ouais. Bref. Alors, contre les oppressions et les discriminations, égalité des droits et émancipation. Bon, rien de... Moi, j'ai vu avant qu'il était Ah, tout ça. anticarcéral. Il voulait diminuer la prison aussi. Ouais. Généralisation des alternatives à la prison. Ah ouais, ah bah là, bah tu vois, ça c'est une des différences par rapport à Nathalie Arthaud, c'est qu'il va y avoir tout un truc sur les discriminations après. Ouais. Violences faites aux femmes. J'ai vu un truc. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Voilà, Earth75. Merci beaucoup. abrogation des lois discriminant les musulmanes. C'est notamment C'est où que tu vois c'est? l'interdiction du voile dans certains services. Éducation antisexiste à la sexualité et au consentement, c'est pour avoir un nouvel article dans le Figaro s'y Ah, t'es là. propage l'idéologie woke. Égalité des salaires. Alors, égalité des salaires, moi je serais curieux de voir comment. J'oublie pas de le dire, quoi. Bah là, pour moi, parce qu'il y a un sujet par rapport à la transparence des entreprises. Je vois pas comment tu peux faire autrement, quoi. Ben, en Enfin, je fait, sais même pas. avec ça, parce que Je sais pas en du tout, c'est fait, chaud. ça supprimerait que l'inégalité qui est liée à poste égal. Égale et blablabla, expérience égale, il n'y a pas le Oui. même salaire homme-femme. Mais l'essentiel de l'inégalité de salaire homme-femme, c'est pas à cause de ça en fait, c'est à cause d'autres trucs, d'autres problèmes très importants aussi d'ailleurs. Mais ça se traite pas de la même façon. Notamment, bah tu vois, il y a le fait que les métiers à dominante féminine sont moins payés que les métiers à dominante masculine. Oui, je vois Ou ce que tu ben veux dire. Ça, c'est dur à faire. Donc, parce qu'il y a plus d'infirmières et il y a plus de médecins, bah déjà ça crée une inégalité de salaire inévitablement. Ouais. Ils sont pas payés pareil. Donc, si tu regardes les stats dans un hôpital, il y a de grandes chances que les femmes soient payées moins que les hommes. Du coup, c'est compliqué. Ouais. Ouais, il dit pas exactement Et moi, comment il fait. violence. Bon, ça, il y en a déjà. J'imagine que c'est plus moyen, facile d'accès. Et actuellement, ce qui serait bien, c'est pas géré par la police. Droit d'asile pour les victimes étrangères de violences patriarcales. Ah, tiens. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? La PMA pour toutes. Ouais. Okay.
voir. Pour l'instant, c'est un peu les plus riches en premier, quoi. Donc, par exemple, si c'est pour tout et tous, est-ce que ça va être payant? Ou est-ce que ça va être gratuit? Je ne sais même pas si c'est payant ou gratuit actuellement. Mais a priori, Bah, c'est je sais payant. pas du tout, je sais pas À ce qu'il entend rembourser. par réellement, enfin, c'est peut-être sur ça qu'il glisse peut-être un truc pour dire que ce sera plus payant, mais en vrai, je sais pas. Ouais. A Je sais priori, pas. c'est moi, c'est ça que ça pourrait vouloir dire. Affiliation directe pour les coups de même. Ouais, bah ça me demande pourquoi ça n'y est pas. Remboursement à 100% par la Sécu des parcours de transition. Intéressant. Changement d'état civil pour les personnes trans sur simple demande. Ouais, bah ouais. Arrêt des mutilations des personnes intersexes. Oui, bah oui. Merci. Mais tu vois, il pense à dire. Lui, il pense aux discriminations. Ça se voit qu'il a bossé son truc. Il y en Ouais, a un peu. c'est sûr. Enfin, moi, de ce que j'y connais, il y en a un peu tout le monde, tu vois. Il y a un peu tous les thèmes que je vois abordés là-dessus. Voilà. Ok. On enchaîne? Bon, là, il refait le flyer. Racisme d'État, islamophobie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ça? Fin des contrôles aux faciès, là, il va falloir s'appliquer pour le faire. Là, il totalement changé chacun des policiers en fait. C'est Je sais ça. plus. Bon, je commence à accélérer parce qu'on prend trop de temps sur Poutou. On est sur Poutou. Mais on va bientôt changer, je pense. On est sur Poutou, ouais. C'est marqué en haut à droite, à gauche. On va bientôt changer, ouais. Handicap, il parle de l'handicap. Très bien. Ouais, il y a tout ça. L'aide aux Accompagnement, à âge, l'aide aux santé. adultes handicapés. Ça égale au SMIC. Voilà. Il doit y avoir quelque part le minimum vieillesse égale au SMIC aussi, parce que l'idée, c'est de mettre tout le monde au SMIC, quoi. Ok. Alors, solidarité internationale, solidarité avec les migrants, accueil digne, droit d'asile. Ouverture des frontières, ok. Solidarité avec les peuples. En finir avec le militarisme et le néocolonialisme. Oui, bien. C'est bien, hein? Ouais, Oui, non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Je passe hein, vraiment sur la fin. enfin, les familles, prétendument, parce qu'à Bon, la fin, il est quand même qu'à 2%, hein, donc. Il finance les hausses de C'est salaire en celui qui prenant va sur les bien, plus mais pour vieux. qui on ne C'est vote pas. ça. Récupérer l'argent, c'est les ultra riches. Ok, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit là? L'argent, Oui, là, que l'argent. il fait le speech. Ok. Ça marche. Alors, suivant. Dans la salle. Suivant, c'est la salle. Alors, la salle, Ouais, il y en où? avait marre de tous ces gauchistes. La Dans la salle, où salle. es-tu? Hop, tu es là, mon la salle. C'est parti. Ah, faut que je le truc. Faites du bruit dans la Ah, je sais salle. pas si ça va être lisible, il est sur deux pages, son truc. Oh là La là. France authentique, je sais pas si tu pourras tout lire. Un peu. Je ne peux rien lire. Si le temps de discussion consacré aux candidats est proportionnel aux intentions de vote, on est encore en train d'en parler en allant aux urnes. Ah oui, ouais, bah c'est sûr. Mais c'est pas proportionnel aux intentions de vote, si tu veux, c'est juste dans l'ordre dans lequel on les prend. Mais je suis d'accord que sinon, on va parler de Macron pendant 8 heures après. Non, je suis d'accord. Non, le but, c'était de passer vite sur les petits et de s'attarder un peu sur les grands. Mais bon, c'est Et quand ça tu regardes marche pas pour des programmes à 30 pages, en Jean fait, Lassalle. t'as pas le choix, quoi. Résumé, Jean Lassalle, il veut les campagnes. Les campagnes, c'est bien. À fond la ruralité. Il aime pas l'OTAN, il aime pas l'Europe, il veut de la politique locale. Tu vois, il sait pas faire de titre déjà, ça me saoule. Il veut être un peu de droite. Parce que là, son programme, il est intouchable. Alors vas-y, je te le résume. Parce que de toute façon, c'est ça qu'il dit. Alors attends, attends. Démocratie au cœur du politique.
Je parcours aussi, hein. Un service national, universel, militaire ou civil. Ouais, mais on va le voir souvent, ça. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas Pareil. compris. Créer un service national, universel, militaire ou civil. Ah, ok. Ensuite, relancer la recherche. Oh non, ça sert à rien, la recherche. Pour, en gros, il axe ça un peu sur l'écologie, enfin, sur la transition énergétique, énergie renouvelable. Le pharmaceutique et la recherche La recherche. spatiale. L'espace. Allons dans La santé l'espace. pour C'est vrai, tous. c'est la priorité, ça. La La recherche santé par tous, il spatiale. veut remettre Ah des hôpitaux dans les campagnes. bah oui, bah t'es. Recrute des infirmières et des aides-soignantes. Plus de place dans les universités. Tu vois, lui, il dit plus de place dans les universités. Ça, ok. Ça Oui, fait plus de médecins à la porte. c'est logique, ouais, oui, c'est logique. C'est à la source, quoi. Ben ouais. Et puis c'est pas comme s'il y avait personne qui tentait le concours de médecine. Tu vois? Oui. Effectivement, t'as le droit d'améliorer, enfin de revoir les numerus clausus ou je sais pas quoi. Ouais. Alors, les vertus de l'instruction publique. Revaloriser le salaire et le statut des enseignants. Donc là, il nous explique que le salaire des enseignants a baissé. Pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous explique? Mieux Alors, rémunérer ceux revenir qui sur un instruisent les réforme enfants. alors ça c'est vraiment un débat compliqué, peut-être qu'un jour j'en parlerai des trucs pour et contre la réforme du bac. Bah vas-y, attends, je vais me le noter à part ça. Attends, je vais le Créer noter une là sur le nouvelle PowerPoint. discipline pour maîtriser les outils numériques, non plus les cibles, en créant un CAPES spécifique. Ben ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça veut dire bon on arrête de qui sait les faire, les cours d'informatique à un peu tout le monde comme ça au pif, on fait Ouais. des vrais profs pour faire Ça, c'est sûr. ça. On fait des vrais profs pour faire ça. En fait, créer un CAPES spécifique, ça devrait être valable pour toute nouvelle création de matière, tant que tu veux conserver les matières, quoi. C'est ça. Instaurer des voyages linguistiques à l'étranger, des séjours à la montagne ou à la campagne, au collège et au lycée. Bon. Je me demande quel est son pouvoir de faire ça, parce que normalement c'est plutôt aux régions de le faire pour les lycées et au département de le faire. A Mais priori, tu ce débloques n'est peut-être pas à lui des. de. C'est peut-être via des aides ou des budgets, non? Je sais pas. Ben, oui, mais c'est ben, ils sont déjà distribués aux régions. Et puis après, c'est la région qui décide des aides et Ah des ben, c'est budgets, sûr et que ouais. même par lycée. Et puis après, c'est même en conseil d'administration du lycée de quel voyage scolaire tu fais et lesquels tu fais pas. Donc là, pour le coup, il y a vraiment toute une chaîne quand même. Bah là, ça veut dire qu'il faut Peut-être. vraiment réformer le truc. Si tu veux l'imposer, entre guillemets. Ben, ouais. Alors il y a peut-être moyen de faire une convention commune de à quoi on a le droit minimum. Mais voilà. Créer des collectifs de suivi pédagogique. C'est ce que je pense, ça, ce serait bien. Si cela veut dire faire. Travailler les profs entre eux plus qu'une fois que pour le conseil de classe, ben c'est vrai que ça serait pas mal. Ça existe un peu des fois. Ok. Que là, c'est mal fait, quoi. Souveraineté économique. Il augmente le SMIC. Il baisse la TVA sur les hydrocarbures. Il Et réindustrialise la déjà ça, France. franchement,
20% de TVA sur les hydrocarbures. Vraiment. C'est un peu une honte, non? Il y a bien un truc sur lequel on pourrait mettre la TVA à 5,5%, c'est bien l'essence, hein. C'est vrai. Ensuite, il redonne l'initiative à l'État l'initiative dans les secteurs clés, donc agriculture, industrie, énergie nouvelle, automobile, aéronautique, route et recherche spatiale. Ok. Il veut réinstaller des entreprises dans les petites communes. Voilà, en jouant sur la taxe foncière et l'impôt. Et Oui, bah, il va favoriser la. J'ai bien travaillé mon cadre. La vue de profil. Ok. Vive les communes. Donc, ouais, ça, c'est comme tu l'as dit, c'est son truc. oui. Subventionner les lieux culturels. Refavoriser le statut La de salaire des fête. intermittents du La spectacle. fête des sports, la fête de l'engagement, la fête du savoir. Allez, on fait la fête tout le temps. J'espère que c'est des jours fériés, ça. En plus, Bah. 21 mars, vas-y, ça tombe pour mon anniv. Ah Quasiment. bon, en plus pour la fête du savoir, c'est parfait. Vas-y. Alors là. Ah Alors bah là. non, parce que je serais obligé de travailler le jour de la fête du savoir, c'est sûr et certain. On va m'inviter dans des trucs à la con. Au moins, on fera des fêtes du savoir marrant, comme. Alors, bon, les campagnes, les campagnes, les campagnes. La fin des oubliés, le handicap. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour le handicap? J'y comprends rien. Adaptation de tous les logements, ouais, de tous les lieux pour les handicapés. Revalorisation du salut du stataire et du salaire des aidants. Ok. Jeunesse, RSA jeune. Hein? Des prêts à taux zéro. Suivi psychologique pour les élèves victimes de harcèlement. Les temps d'activité périscolaire. La gratuité des transports publics. Ok. D'accord, et pour le logement étudiant, il développe des logements intergénérationnels où les jeunes qui s'occupent des vieux ont des remises sur les loyers, quoi. Donc il dit que ça a été mis en place à Toulouse et que c'est un succès. Le quatrième âge, pouf, 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 pouvoir d'achat, maintenir le pouvoir d'achat des retraités et revaloriser le statut et le salaire des aides à domicile. Ok. Ouais, c'est pas mal hein, quand même dans l'ensemble. La Bon. France sûre et paisible. Alors, ouvrir les états généraux pour la Ah. banlieue. Là, c'est là où ça se complique. C'est que on va pas entendre parler de. C'est plutôt 6 000 gendarmes et policiers en plus. Plus de police, plus de douane, plus de répression, quoi. C'est son côté de droite. Ouais, ça c'est son truc de droite, ouais. Créer une unité de réserve communale de sûreté. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait peur, tu vois. C'est où que t'as vu ça? Ah oui. Un volontaire ayant signé un engagement pour aider la police municipale. Bon, Ouais, il y a un c'est. passage sur le logement, ça je trouve ça bien par contre. Encadrer les loyers, augmenter le montant des APL, développer le principe de la location-accession. Le locataire devient automatiquement propriétaire dès que le montant des mensualités correspond à la valeur du bien.
Les gens vont se démerder pour virer leur locataire avant cette deadline, quoi, mais bon, cool. Moi, j'ai une question quand même, encore un truc qui me fait peur. Favoriser un accès au logement pour les primo-accédants et les locaux. Alors qu'ils disaient avant, on assure un toit à tout le monde, donc pourquoi. Bon, les primo-accédants, ok, c'est les jeunes, et les locaux, ça veut dire quoi? Ouais. Tu peux me dire où t'étais là? C'est l'avant-dernière de sa politique du logement. Pour les primo-accédants et les locaux avant les logements touristiques et résidences secondaires. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Logement pour les Ah oui, primo-accédants et les d'accord, oui. locaux. Ah bah si, ok. Oui, bah oui. Bah c'est essayé. Non mais ok, c'est une bonne Tu mesure. te démerdes pour que les mecs locaux aient de meilleurs et accès au logement mieux que des mecs qui veulent faire du tourisme et des résidences secondaires. Voilà, par exemple, tu taxes la deuxième maison. Ouais. En gros. Ok. Histoire que ce soit moins rentable d'avoir des. Un milliard de mer pendant dans la rue, tu vois. Ça coupe un peu quand tu parles, tout va bien de ton côté? Bah normalement oui. Pourquoi ça coupe? Ok. Alors, la justice avant le droit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Augmenter le nombre de magistrats. Construction de prisons. Bah, tu vois, Poutou, c'était Ça, c'est son côté de moins droite, ça. prison et favoriser les autres trucs. Et là, c'est plus de prison. Par De toute contre, il façon, c'est légalise le plus de cannabis. justice, plus de flics. Il légalise le cannabis. La France force de paix dans l'Europe des nations. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit là? Débattre et voter au Parlement toute législation d'origine européenne au lieu de laisser l'exécutif approuver par ordonnance pour les transposer en droit français. Pouvoir coopérer de manière bilatérale avec nos voisins. Revoir la participation financière de la France au budget européen. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. De quoi? Revoir la participation financière de la France au budget européen. Ça veut dire arrêter de donner de la thune aux pays pauvres. Ok. Préparer notre désengagement de l'OTAN. Ouverture Ouais. du Conseil de défense à la représentation nationale. Donc ça, ce serait pour le par rapport aux forces françaises dans un conflit pour contrôler par référendum ou vote du Parlement. On donne moins à l'Europe, ouais, c'est ça. De toute façon, lui, c'est un peu. Et en politique locale, faire de la politique locale. Donc, a fortiori, l'OTAN et l'Union européenne, pas top, quoi. Déjà, il Oui. veut décentraliser et tout. Oui, c'est Déjà, ça. Il veut l'État. retour. C'est de la politique de proximité qu'il veut, en fait. Ben oui, voilà, c'est Donc ça. forcément, Alors, surtout. tu. De campagne qui a axé par le militantisme de campagne sa carrière et qui a obtenu des trucs comme ça. Ouais. En faisant des grèves locales et des trucs comme ça. Ok. La France, force de paix. Et attends, rebâtir notre industrie d'armement et d'équipement, c'est un peu du foutage de gueule quand même, hein. Parce que s'il y a bien un point. Où ça va, c'est fabriquer des armes. Je veux dire, on vend des Ouais. rafales à tour de bras, on est dans les premiers vendeurs d'armes mondiales. Il y a je sais pas combien d'entreprises d'armement en France. Nos avions, ils sont à la pointe de la technologie, tout quoi. Donc, rebâtir, peut-être un peu excessif, on fait plus de bénéfices chaque année. Ça, c'était la petite phrase pour les lobbies, ça.
Ok. Alors, la France ultramarine renforçait les liens avec les territoires d'outre-mer. Ok. Et en Afrique, soutenir l'effort d'instruction dans les pays qu'ils désireraient. Ok. Bon. On passe au suivant. Ça te va? Ouais, go. Alors, le suivant, roulement de tambour. C'est Dupont-Aignan. Alors, Dupont-Aignan, dans son programme est illisible. Il est moche. Donc ça me donne déjà pas envie de m'y mettre. Oui, c'est vrai que tu peux lui répondre dans le live, mais bon, c'est bien de faire marcher mon chat aussi. Nicolas Beauvois-Aignan. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, Bien joué. Il y en a qui il ont a vu la dit que... similitude. Il y en a qui ont vu la similitude des prénoms. Ah ouais, Alors. ah super. Il a dit qu'il apporterait son soutien à Jean Lassalle au second tour. Dupont-Aignan? Oui. Mais c'est une blague. Non mais parce que bah, du coup, le point commun avec Lassalle, c'est que lui aussi va être dans la ruralité, Oui, dans la ouais. politique locale, la sortie de l'Union européenne, de l'OTAN et tout. Mais en mode vraiment, là on se pose plus la question, c'est la politique locale pour virer les Arabes, quoi. Et là c'est vraiment son but. Bah, c'est pour ça qu'il commence par le titre de son programme, Son part. c'est Rétablir l'ordre. Ah, mais attends, Oui, j'étais bah de tout toute façon, autour. un Ah, voilà. programme qui s'appelle Rétablir l'ordre. Voilà quoi. Alors, on va juste lire le sommaire. Le bâclage. La gueule du candidat, il est de gauche ou il est de droite? Il est de droite, lui. Il est de droite souverainiste, donc pour la souveraineté de la France, un peu de démocratie, mais des penchants extrême droite sur la sécurité et l'immigration. C'est ça, sa ligne. Alors. Rendre aux Français leur liberté, à la France son indépendance. Donc là, ça c'est ciao l'Europe, hein, je pense. Allô? Bon, jusque-là, quasiment tous les candidats qu'on a vus étaient souverains. Donc, De étaient là-dedans. l'ordre. À une nuance près, c'est vraiment gros communistes du MPA et de... Ils sont plus internationalistes en général. Surtout le NPA, je crois. C'est l'ouverture des frontières plus que la souveraineté nationale. Ok. Une petite... Alors, refonder la démocratie, souveraineté populaire. Vaccinal. Oui, c'est vrai. Ah bah, mais c'est bon. Bravo, il a réussi à déjà la faire, celle-là. C'est quand même impressionnant. Le mec, il a une to-do list. Il y a déjà un truc de cocher, quoi. Ça, c'est Ouais. fort, hein. Mais c'est comme la salle avec l'armement. Tu sais, dans la to-do list, c'est coché, tu vois. Oui, bien sûr. Il y a, Bon, là. par exemple, Roussel est plutôt dans ce côté-là. Mais le NPA, ils sont pas communistes. Enfin, pas vraiment. Capitalistes, mais ils sont internationalistes. Yes. Il y a des communistes internationalistes. Mais on va pas rentrer dans ce genre de débat. De toute façon, mais c'est déjà assez chiant comme ça. On peut rester. Alors, ah bah il y a 16 décisions. 16 décisions, mais c'est parfait son petit truc là. Alors, j'affiche pas tout. Alors, suppression de l'état d'urgence sanitaire. Ok. Recours à la pratique référendaire sur des sujets clés, l'UE, le code pénal, l'immigration, l'école, la laïcité. Il nous reparle du référendum d'initiative populaire. Prise en compte du vote blanc. Ouais, il va y avoir des trucs pour la démocratie. Retour au septennat.
Ouais, avec un alors ça peut référendum expliquer révocatoire à mi-parcours. Je vais quand même expliquer pourquoi le septennat, c'est un truc pour la démocratie. C'est parce qu'en fait, les élections législatives, elles sont tous les 5 ans. Et si on est passé à un quinquennat, sûr d'avoir une majorité parlementaire de politique que les présidentielles, parce qu'elles arrivent en même temps, du coup. Alors qu'avec un septennat, tu peux avoir des coalitions. Ouais. Et notamment, c'est décalé, si le président a fait trop de la merde, peut y Il avoir un se fait parlement sanctionner sur la fin, en opposé. fait. Ce qui fait que le président a tout intérêt de, plutôt que faire que des bonnes mesures à la fin de son mandat, le faire aussi avant les législatives. Parce qu'il a, et avec le révocatoire parcours, ça crée une troisième date encore. Ouais. Donc et ça, tout ça, c'est pas mal parce que ça permettrait un suivi de la présidence, des élus en général, un peu en continu, quoi. Ok. Il fait la proportionnelle pour les députés. 100 députés sur les 500 députés. Casier judiciaire vierge pour tout élu. Alors lui, il s'est dit, je vais éliminer du monde. Ouais. Alors bon, c'est marrant parce que je crois qu'un des rares candidats qui a pas d'ici à vierge à vérifier, c'est Yannick Jadot. Parce que je crois qu'il a eu des embrouilles avec Greenpeace. Enfin, quand il était dans Greenpeace. Ouais. Donc tu vois, il y a quand même des trucs où ça dépend parce que du coup, les militants écologiques un peu extrêmes, ils se font jarter. Ah Tu bah, vois, c'est sûr que tu exactement. jartes un peu Est-ce qu'on peut avoir des... les révolutionnaires, en fait. Ben du coup, ouais, c'est pas de mal avec l'extrême gauche Je qui t'entends sont plus, garçon, élus des fois. départementales. Alors après, en effet, si ça permet d'éliminer ceux qui se prennent cette plainte pour agression sexuelle comme un certain candidat, ou incitation à la haine, ou je sais pas, des trucs comme ça, évidemment, quand tu penses à ça, c'est bien. Ouais. Mais ça peut avoir son Si sa, son côté. après bon voilà hein, c'est de toute façon en gros c'est demander à ce que tu demandes même à un prof ça finalement c'est pas si choquant C'est malgré vrai. tout C'est vrai. et demander enfin si même les profs on leur demande un casier vierge avec dérogation possible ou je sais pas quoi pourrait y avoir un conseil constitutionnel qui dise bon frère, en vrai, t'as, je sais pas, tu vois, t'as milité, ça compte pas, tu peux te présenter quand même. Ouais. Avec un truc citoyen, par exemple. Donc à voir. Ou une comité d'experts. Ouais, c'est Pas ça. faire. Les deux peuvent être pertinents pour le coup. Suppression des privilèges, des avantages des anciens élus. Oui, bah ça c'est par exemple les retraites exorbitantes, Oui, bah ça, ouais. les trucs comme ça, hein. Le pantouflage au Sénat, j'imagine. Bah oui. Oui, parce qu'il parle des anciens présidents. Abrogation de la loi NOTRe pour rendre aux communes leurs compétences. Je sais pas c'est quoi cette loi. La loi NOTRe. Pour rendre aux communes leurs compétences, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Décentralisation, de recentralisation. Remplacement de l'Union européenne par la communauté des nations libres. Projet à la carte. Sortie de l'OTAN. Ça, c'est... Ils ont du bien, ça c'est intéressant parce qu'ils ne proposent pas juste de sortir de l'Union européenne. Oui, il Il y propose de a créer un plein de... autre truc. Ça, au niveau communication, je pense c'est pas mal. Bon, après, le problème, c'est que c'est un connard, mais... pardon. C'est des propositions qui s'intéressent. Peuvent être intéressantes. Il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord.
Remise Il à est pas noter. juste pour récupérer les complotistes, ça va. Il n'a pas suivi tous les mouvements complotistes depuis 15 ans. Ce ne serait pas bien de sa part. Le nôtre par la sienne. bon, il renforce la défense militaire. Oui. Politique étrangère indépendante. Oui. Francophonie, développement à grande échelle de la francophonie. Guerre Ah, c'est totale vrai que c'est contre le bien. terrorisme islamique. Quoi? J'aime bien un petit passage sur la francophonie, ça me plaît. Lancement d'un partenariat renforcé pour développer l'Afrique. Ok. Okay. Je sais pas Récompenser ce le que ça travail veut et dire. inciter à produire en France. Ça ressemble à une mesure de colonialisme de mon point de vue, mais Oui, j'avoue, ça m'a fait le même effet. Oh putain, il y a trop de trucs. Putain, il a 19 pages, mais il a chargé l'enfoiré, hein, c'est illisible en plus. Ah, à produire en France, j'ai pas ça envie de c'est lire. une Il idée augmente les de salaires. travail, hein. Il augmente les salaires. Il cale les salaires et les retraites sur l'inflation. Ok. Pouf, pouf, Alors, attends, pouf. tu crois que son augmentation de salaire, elle est où? C'est le premier truc, 8 points, il met. Il met à 13e mois, en fait. Et ce, jusqu'à 3 SMIC. Ah ouais. Bah là, tu vois, exactement ce que j'explique. C'est que les patrons, dans son modèle, ne vont pas payer de plus cher. Voilà. Parce qu'il le fait par la baisse des charges sociales, des charges patronales, Mais ça, charges c'est pour les salariales. indépendants qui fait ça. Enfin, Pour il les explique pas pour les indépendants. salariés comment il fait, mais pour les indépendants, il dit qu'il baisse les charges salariales. Allô? Oh la vache. On a perdu le sieur Justin, messieurs, dames. Justin, tu m'entends? Ah putain. Allô? T'es là mon pote? C'est plus l'heure, c'est ça? Si tu m'entends, je ne t'entends pas, sache-le. Oui. Oh putain, t'as un problème d'internet, mon coco. Ah, ça y est. C'est la déconnexion. C'est la déconnexion. Bon, on va voir s'il se reconnecte. On va continuer. Est-ce qu'il m'a mis un message? Il va sans doute se remettre sur le Discord. Alors, qu'est-ce qu'il met? Il y a tout son internet qui a foiré. Bon. Écoutez, je vais continuer. On va voir s'il arrive à se reconnecter. Donc, il parle des services publics. Je vais passer très vite, moi. Voilà. Il parle de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein, que c'est la base de l'avenir de notre pays. Voilà. Il réinvente la sécurité sociale et l'hôpital public. Alors, il dit quoi sur ça? Médecine préventive et proximité. Donc, il revient aux campagnes. Ok. Allô? Ah, salut. Oui, j'avais utilisé tout mon forfait internet. Fallait Oh, mettre. putain, j'adore. Ah, la meilleure excuse. J'adore. T'es comment là du N'est-ce coup? pas? T'es sur quoi? T'es sur ton PC? Non, je suis sur mon téléphone. Et mon PC sur mon téléphone aussi d'ailleurs. Mais t'as fait comment du coup là? Et ben, je me suis remis 12 € de forfait internet. Ah merde.
Et je dois faire ça tout le temps, hein, de toute façon, tant que j'ai pas internet, c'est comme ça. Hein. Ok. J'essaie de régler le problème, mais j'ai eu un contretemps aujourd'hui. Bah, force à toi. Tu mets ta caméra ou je vire ta caméra? Vers ma caméra au pire. Alors. Et puis mon montage, c'est les dégommés du coup. Ça marche. Bon, bah, on continue Tout comme qui est ça. tombé. Alors. Bon, j'étais sur le service public. En gros, il veut réformer un peu tout le service public, l'hôpital, la sécu sociale, le système des retraites. Mais dans le détail, je ne sais pas trop comment il l'explique. Ils veulent le reformer dans quel sens? Bah, dans le sens plus proche des campagnes. Ah ouais, alors déjà, notre programme veut refaire de l'école et de l'instruction publique le cœur battant de la République. Ça, en général, ça pue la merde. Hein. Donc, il veut. La formation des maîtres, ok, bah, ça c'est honteux de supprimer ça. De quoi? Rythme scolaire, honteux. La réforme du collège, ok. C'est quoi qui tu dis que c'est honteux de supprimer? Un peu tout, en fait, tout ce qu'il fait, c'est vraiment horrible. Hein. Bah, de toute façon, école du mérite et de l'effort, repensant l'ascenseur social, donne le meilleur à toute récompense et à tous, récompense l'effort et le mérite et respecter la diversité des talents et des choix de vie. Bah ça en gros c'est n'importe quoi, c'est il veut plus d'autorité à l'école, revenir au supprimant tous les avancées dernières. Et sauf que justement ça a été prouvé plein de fois que ça ne favorisait pas du tout le prétendu ascenseur social. D'accord. Donc ça, c'est un gros point négatif. Bah oui, mais bon, un mec de droite de toute façon, donc après, ça dépend. Il y en a qui croient vraiment la réussite par l'école et une école plus autoritaire et tout. Donc, si ça plaît, si vous pensez vraiment Oh. que c'est en tapant sur les gens qu'ils font mieux. Oh, comment je chialerais. Il veut faire, ne, il veut passer de 9 heures de français en primaire à 15 heures hebdomadaires. Voilà, et ben, les fondamentaux, ben ça, c'est un gros truc de droite. Hein. Comment À j'aurais mon avis, tous chialé. les gens de droite vont l'avoir. Autorité des professeurs sur leur classe, internat disciplinaire, Ok, internat carrément. d'excellence. Ah, Carrément. j'adore. Donc, Ouverture d'internat tu d'excellence sur tout le territoire pour une vraie égalité des chances. veux. Ouais, bien sûr. J'adore. Bien sûr, bien sûr. Augmentation du salaire des enseignants de 20%. Mise en place d'une prime supplémentaire de 20% en échange de cours de soutien aux élèves en difficulté. Ben moi je mettrais moins 20% pour ceux qui ne le font pas et pareil pour les autres, tu vois. J'avoue, parce que c'est quand même un peu le béaba. Quand Ben oui en fait, s'il te plaît. c'est ta vocation, en fait. Tu crois que ceux qui ont des cours de soutien, ils auront le droit d'aller dans l'excellence pour Ah bah garantir. non. Ah bah oui, ils vont se faire foutre. Ils ont du soutien, ils vont se faire foutre. Gratuité des universités et de tous les concours de l'enseignement supérieur et d'accès aux grandes écoles. Bah déjà, les grandes écoles privées, a priori, c'est mort. Oui. J'imagine qu'il veut dire tout le reste, mais globalement, T'étais quand même, t'avais quand dès même que les t'es aides et des boursier, bourses et des trucs. Bah ouais. c'est le cas. Et globalement, ben, même un fils de prof en milieu de carrière est boursier échelon 0 bis, quoi. C'est encore un truc qui est coché, quoi. Après, oui et non, y a une difficulté, c'est pour ceux qui veulent reprendre les écoles, mais qui veulent reprendre l'école. Donc ça, pour les travailleurs, il y a un vrai truc à faire. C'est Et vrai. moi, la mesure que je prendrais, c'est un élargissement des bourses à des personnes après interruption d'études, que tout le Oui. monde ait le droit au... Ça, ce serait... Moi, c'est plutôt ça que je Ouais, proposerais c'est pour... vrai. Comment ça s'appelle d'ailleurs quand tu changes de parcours?
Tu sais. La réorientation. Ouais, j'avais un autre mot en tête, c'est marrant. Mais peut-être. Protection de la belle langue Tant que c'est française en simple. proscrivant l'écriture inclusive. Oui, bon. La belle langue française, tu sais. Garantie de la prise en charge par l'éducation nationale des enfants en situation de Oh là là, handicap dès l'âge de 3 ans. alors, j'ai vu un truc vraiment horrible, C'est autant quoi? le dire. C'est quoi? Pour les résidences universitaires, un premier échelon gratuit, tarif dégressif en fonction des ressources, mais accès conditionné aux résultats scolaires. Donc tu refavorises encore Et ben ça, on... les bons. ben c'est si tu crois qu'il n'y a pas de reproduction des élites et que les résultats scolaires ne dépendent que de ton mérite personnel Là, ça en fonctionne. études, c'est bien pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Comme d'après toutes les instances internationales, ce n'est pas le cas pour la France, système français, ben évidemment, non. C'est-à-dire que les 5% de fils d'ouvriers, là en plus, ils n'auront plus droit au CROUS parce qu'ils auront eu que mention assez bien au bac. Et ils passent à 1%. Voilà Super l'idée. cool. Super cool. Mais heureusement, grâce à la gratuité des musées, ils ne pourront pas aller à la fac de Triomphe. Ah, on te perd de temps en temps. Parle bien vers ton micro, hein. Parle bien vers mon micro, je fais bien attention. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? On va pas tout lire. Moi, j'aime bien permis de conduire gratuit en échange d'un travail d'intérêt général d'un mois, comme cela a été mis en place à hier, quand Nicolas Dupont-Aignan était maire. Et ça a très bien marché. Auto Déploiement il d'un parle plan beaucoup piscine à d'investissement 1 euro. outre-mer, J'adore. intéressant. Intéressant, il parle notamment du réseau d'eau potable. Un autre truc qui serait bien, c'est d'arrêter de le vendre avec potable. Redis Donc ça. pourquoi pas? Il y a plein de trucs. Redis ce que tu viens de dire, j'ai pas entendu. Plan d'urgence d'investissement public en Oui, outre-mer. Donc, oui, oui. premier, on lit une mesure sur l'outre-mer. Donc, c'est bien. Voilà. Sachant que là, c'est remettre à niveau le réseau d'eau potable. Ce serait extrêmement bien, mais aussi de le faire en France et d'arrêter de le privatiser. Bah oui. Enfin, le réseau d'eau potable, notamment. Et arrêter la corruption. Parce que c'est le problème en outre-mer, hein, c'est. Ah bah puis en outre-mer, oui, la corruption. Non mais il y a plein de problèmes, hein. Oui, il y a plein de problèmes, mais notamment ce qui fait qu'ils n'ont pas d'eau, les Donner mecs. l'indépendance aux outre-mer qui la demandent. Voilà. Alors ça, Est-ce qu'on peut passer un truc sur la Corse? Mystère. je sais pas, pour l'instant, on n'a rien vu. Création d'un congé parental, rémunéré à 75% du SMIC pour une durée de 3 ans. Réparti entre le père et la mère, utilisable une seule fois par couple. Pour un seul enfant, deuxième ou troisième. Pas compris. Là, c'est, t'as le droit de le faire qu'une fois pour Pour un de ton tes autres deuxième ou ton enfants, troisième soit ton enfant. deuxième enfant, soit ton troisième enfant. Ok. C'est un genre de logique, j'y connais un peu rien, Oh mais pourquoi putain! pas. Amélioration de la continuité territoriale en divisant par deux le prix des billets d'avion. Ah bah ça c'est pas ouais bah je me disais qu'on n'avait pas vu beaucoup de trucs pour l'écologie Ah bah là, ben c'est en tout même pour temps dans l'écologie, là. tous les complots je suis pas sûr qu'il y ait quoi à l'écologie. Ah. Ok. Une seule fois par enfant et que à partir du deuxième.
Alors, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maîtriser l'immigration. Donc ça, c'est pour rétablir l'ordre. Donc tu maîtrises l'immigration. Et pour maîtriser l'immigration, tu enlèves Schengen. Un peu chiant. Il ubérise la justice. Peine plancher pour les Okay. agresseurs de policiers, gendarmes, surveillants de prison, pompiers. Il ouvre des prisons, d'accord. Expulsion des délinquants étrangers à l'issue de leur peine. Ah, pas mal. Ouais, bah oui, bah ça va, on va la retrouver Oh, malheureusement aussi celle-là, hein. le gros fuck. J'adore. Tolérance zéro pour les violences faites aux femmes. Ok. Avec une réponse pénale immédiate sur le modèle espagnol, tribunaux spécialisés avec 72 heures pour instruire le dossier des auteurs présumés, 15 jours pour organiser un procès. Et encore, hein, comme l'avait fait Nicolas Dupont-Aignan dans sa vie de hier. Père. Autant qu'il la purge à l'étranger, oui, dans un sens, bon, c'est discutable. De toute façon, toute la mesure est discutable. Ouverture de bagne, style Kerguelen. Donc on veut faire un bagne. Ils vont envoyer les terroristes au bagne. soit. Ok. Il recrute des forces de Suppression du droit l'ordre. sol. Ah ouais, ah c'est la totale du racisme, quoi. Suppression du droit du sol et obtention de la nationalité par un processus de naturalisation exigeant. Ça, le droit du sol, c'est quoi? Le droit du sol, c'est le fait que, en gros, si t'es né en France, t'as la nationalité française. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est pas comme le droit du sang. Enfin, c'est le. C'est si tu as au La moins un nat. parent français. C'est deux Ok. trucs qui te donnent la nationalité Do française donc ça, d'office. ouais, c'est tu. Ciao, la nationalité pour les étrangers enfin, qui naissent en France. Et Pour processus les de fils naturalisation d'étrangers. exigeant, bon, bah. On peut se En douter fait, c'est que pour ça les va. étrangers nés en France. Oui. Délai de carence de 5 ans pour les aides sociales pour les étrangers. Ok. On a sauté la réforme du droit d'asile en Ah oui. limitant le droit d'asile aux individus le demandant aux frontières et en assignant à résidence les demandeurs d'asile. Allô? Ouais. Ok, je croyais que T'as vu la réforme t'avais, je croyais que du tu droit continuais de d'asile? lire. Je sais pas si tu m'entends. Je t'entends là. Ok. La réforme du droit d'asile, ça pue la Oui? merde. Oui. Bon, bah là, on. Full raciste, quoi. Yes. Bon, allez, on passe. Promouvoir une écologie. Alors, vas-y. Est-ce qu'il nous reparle des billets d'avion là? J'ai vraiment envie de savoir comment il fait. L'écologie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée aux vers sectaires. Ah, ça tire à balles réelles, hein. Bah ouais hein. Du coup c'est vachement mieux de par deux Ah putain. hein. Eh mais Ah bah on voilà, était il y a d'accord? les petits points, ils sont bien ces petits points. Alors, l'écologie. Réduction de nos factures d'électricité avec le plan d'isolation thermique. C'est vrai que c'est un des gros l'isolation des bâtiments, c'est un des gros sujets du gâchis de l'énergie, hein. Ça, c'est un vrai truc. Zéro éolienne implantée en 5 ans. D'accord. Interdiction des produits obsolescents et lancement d'un programme zéro déchet sur 10 ans.
Bon. Pression des expérimentations scientifiques inutiles sur les animaux. C'est qui juge l'utilité? Parce qu'il y a déjà des comités, ça. Bah oui, sans doute, oui. Sinon, ce serait le bazar un peu, j'imagine. Oui, non, mais je dois faire des papiers pour demander des Ah bah sans souris, doute. pour demander même des mouches. Ouais, donc c'est dire. Tu dois juste demander mouche à par mouche. Ça existe déjà, ça. Alors, circuit court dans l'alimentation et l'approvisionnement des cantines scolaires, interdiction massive des perturbateurs endocriniens, ça je trouve ça pas idiot. Lutte contre la pollution par le plastique, mais il dit pas vraiment pourquoi. Nationalisation complète d'EDF. Et tu vois, même lui, il est pour ça. Il y a quand même un Il truc. y a un truc sur l'énergie et la socialisation, nationalisation. Ouais. Retour d'une vraie PAC avec trois volets. Je sais pas ce que c'est. Politique agricole, je sais pas quoi. Ouais. J'en sais rien. Politique agricole. Bah, c'est un bon, en gros la planification agricole. Ok. Donc c'est pour gérer à l'échelle nationale qui produit quoi. D'accord. Histoire qu'il y ait moins de concurrence et des trucs comme ça. Genre tout le monde produit pas du blé, il n'y a que celui qui est cher. Non, là, on produit ce qu'il faut, il y a des quotas et des trucs comme ça. OK. Garantie. Après, je sais pas, parce que ça peut cou couvrir plein de trucs, mais normalement, c'est à peu près ça le but, je crois. Aide aux associations de protection animale. Va faire que les petits candidats, en fait. C'est ça la blague. Bah, je pense ce soir, j'ai bien peur que ce soir, oui, hein. Ouais. Tac, tac, Bon, tac. Tiens, bah... Jarre, Internet au Nicolas débit et Dupont et téléphonie non. mobile, c'est ce qu'il te faut, ça. On s'en fout du reste. Ça suffit à Quoi? l'éliminer. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je propose que quand quelqu'un a eu toutes les mesures de gros raciste, on l'élimine, on passe au suivant, parce que le reste de... Pour Bon, de avoir toute plus façon, on a d'identité. fini. Et il nous a pondu un Ah bah. projet crédible. Hein? C'est très Ouais. crédible, mais bon, c'est raciste. Alors. Ouais, bah, plus de flics, moins d'étrangers, c'est crédible. J'ai C'est bien peur qu'on se dirige en effet vers ça. sa ligne directrice, hein. Alors vas-y, on passe au suivant. Hidalgo. Oh là, oh là là, ah non, mais on fait tout le fond du fond aujourd'hui. Bon alors, Où es-tu, laissez Hidalgo? nous. Là, je t'ai perdu. J'ai perdu Hidalgo. Ah non, c'est Je crois qu'elle s'est perdue elle-même. bon. Ok. Pas grave, elle non plus, elle connaît pas son Ah, programme de toute façon. Bon, les 44 pages du programme d'Hidalgo vont devoir être faites très rapidement. J'ai qui après? Alors attends, Hidalgo, c'est la combientième? 1, 2. Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Le suivant, Donc, c'est la moitié du panier. Hein. celle, on aura fait moins de 5%. Pardon? Après Hidalgo, doit y avoir Roussel. Je suppose. Et on aura fait moins de 5%. Oui, il y a Roussel, c'est Roussel après. Ok, Voilà. alors. Hidalgo, mets-nous le résumé directement. Oh putain, rien que le sommaire, il est compliqué. Alors, elle augmente les salaires. Et ça, c'est tous ils le disent. Hein. Vas-y, mais montre-nous juste le sommaire. Il y a les 70 mesures au Mais sommaire. je voudrais. Mais non, il n'y a que le titre. Y a pas. C'est pas les mesures, tu vois. C'est genre. Ben oui, mais bon. Bah si, augmenter les salaires, il y a un peu la mesure, mais mettre fin aux écarts indécents de rémunération, ouais. Oui. Mais là, remarque, les titres sont bien. Les titres sont bien. On a travail. Ça permet de lire le petit paragraphe si on veut se préciser des trucs. Égalité réelle des salaires entre les femmes et les hommes.
Ça, pareil, elle le fait que sur un poste égal, hein. J'ai l'impression. Mieux protéger du chômage. Après, il y a d'autres trucs qui comptent, c'est limiter de 1 à 20 les minimales dans les entreprises, entre la rémunération la plus basse et la plus haute. Ça, c'est un des trucs qui potentiellement diminue un peu les écarts de salaire homme-femme. Voilà. Oui, parce que Mais t'as, c'est c'est pas non souvent des hommes qui sont placés, c'est ça que tu dis? ben, statistiquement, plus. Ok. Alors, protéger du chômage. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Assurance chômage universel. Faciliter la formation continue, ok. Ça, pareil, le temps de travail, elle va pas modifier la durée légale, mais elle veut encourager les entreprises à baisser le temps de travail. C'est pas une Oui, mesure, non mais quoi. oui. C'est S'il pas une vous mesure. plaît, je vais vous donner de l'argent et comme ça vous faites le temps de travail, hein, vous avez promis. Ça par contre c'est un peu intéressant. Au lieu de baisser l'âge de la retraite, elle propose de diminuer le nombre de travail obligatoire à un certain âge. Peut-être que faire les deux c'est cool. Tu vois? Peut-être que le temps de travail, pourquoi c'est forcément le même pour. Tu vois, parce qu'on dit les 35 heures. Mais en vrai, si ça descendait à 30 heures, déjà pour les gens de plus de 50 ans, qui ont des métiers difficiles, ben ça me Oui. paraît déjà pas mal. Il y a une idée que peut-être tu peux travailler plus que t'es jeune. Bah en fait l'idée c'est enfin ou au moins en tout cas travailler moins quand tu commences. Il y a une idée quand même de d'être enfin d'être de bon sens quoi. Ben ouais, Tu le sens que de ben toute ouais. façon un mec qui a trimé toute sa vie sur des travaux manuels durs et tout à 55 ans il est pété de partout enfin. Et que oui, Ouais. il faut faire une transition pour réduire le temps de travail et puis qu'il puisse quand même profiter de la retraite. C'est... J'ai connu des gens de 45 ans qui étaient tellement niqués par leur métier qu'ils pouvaient plus l'exercer en fait. Ouais. Ah, bien Y sûr. a un truc à faire dans les conditions de travail, de toute façon, en règle générale, hein. Alors, plateforme sur les droits des salariés. Ouais, ok. Accès à l'emploi et contre la vie chère dans les outre-mer. Ah, j'ai l'impression qu'elle nous fait des paragraphes de langue de bois, ça m'énerve. Non mais elle dit rien, c'est une Elle dit catastrophe. rien, elle dit rien. Écologie, le combat du siècle. Consacrer les droits de la nature. Oh, ce paragraphe de pouah, pouah, pouah. Planification écologique, alors qu'est-ce qu'elle dit quand même? Budget climat et réduction des émissions de CO2. Crédit d'investissement public nécessaire. Ça va pas fonctionner, ça. Attends, c'est quoi? En fait, C'est de... elle va donner du pognon pour décarboner. Ouais. Entreprise. Ouais. Alors que... Bah, genre... elle pourrait aussi en prendre pour ceux qui y font pas, quoi. C'est comme le pacte de compétitivité emploi, tu sais, ça va faire la même. Bien sûr, non mais oui. Fiscalité écologique juste. Impôt de solidarité sur la fortune, climat et biodiversité. Ok. Énergie renouvelable, 100% des énergies renouvelables, d'accord. Est-ce qu'elle parle du nucléaire? Non, le but c'est de sortir du nucléaire quand même, j'ai l'impression. Le nucléaire serait utilisé comme énergie de transition. Mobilité durable pour tous. C'est le cas pour tous ceux qui veulent sortir du nucléaire. Même Mélenchon, toujours comme un grand anti-nucléaire, mais c'est sur 50 ans, hein, la sortie. Ouais. Il y a le temps de changer.
Bah ouais, ça c'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Non, mais c'est un. Pardon? Ceci, du nucléaire, de toute façon, ben, ça se fait pas tout seul, quoi. Oui, c'est sûr. Je regarde, attends, je regarde vite fait le Discord. Je vais être sûr que j'ai pas la main sur ton micro en fait. Est-ce qu'il y a un paramètre sur ça? Désactiver la vidéo, changer les pseudos, inviter ça. Hein? Ou sur mon truc? J'ai l'impression que des fois t'es coupé sans raison. Ben, c'est très étrange. Mais c'est possible que des fois Discord nous fasse des petites bêtises. Genre, quand il y en a un qui parle, ça affaiblit le volume de l'autre, tu vois? Non, bah ok. Bon. On verra bien ce que ça donne. Sinon, je te choperai peut-être sur Messenger vu qu'on est en... J'ai l'impression qu'on était mieux sur Messenger avant-hier, là. Tu veux pas essayer de m'appeler sur Messenger? Allô? On va rester encore longtemps, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, j'avoue. Ben, moi, je me serais dit quand même de faire les 6 premiers, quoi. Genre, Jusqu'à Roussel. on finit à Roussel, ouais. Ça va nous emmener sur un peu plus de 2 heures de live. Ça te dit? Allô? Attends. Tu m'entends? Ouais. Moi, je m'entends en double. J'ai un écho. Comment ça se fait ça? Je sais pas, même toi, je t'entends en plein de fois. Ah, c'est parce que je suis encore Sur sur Discord, non? Discord, je pense. Ah oui, je parle sur Discord, attends, bah je dégage. Mon Dieu. Ah, c'est un effet trop Ça stylé. va là? Ouais, là, c'est nickel. Et je trouve que c'est bien mieux. Je trouve que c'est bien mieux là. Je vais t'augmenter un chouïa. Parle pour voir. Oui, allô? Bonjour. Je parle des programmes des présidentielles. Ça dure très très Oh longtemps. merde. Ok, ouais, donc on dit qu'on fait Roussel et puis après, ciao, bonsoir. Ouais. Comme ça, on aura fait tout ce qui est le moins intéressant. Bon, et après, le on fait tout ce qui se passera pas le premier tour. Après, ils Voilà, ont eu tu leur dis tout chance, tu tout, il n'y a vois. vraiment aucun doute, quoi. Ils ont eu leur chance, quoi. On aura parlé d'eux pendant qu'ils sont encore dans la course. Après, c'est fini, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le faire Donc en premier. voilà. Après, on sait jamais, hein. On sait jamais. Peut-être que montrer que les programmes des petits candidats de gauche, ils sont pas incroyablement différents ou mieux que celui de Mélenchon, mais qu'il y en a qu'un qui peut gagner, ça peut informer certaines personnes. Alors, c'est vrai, tu dis ça, bon, je sais qu'on a une influence incroyable, toi et moi, Ben, c'est vrai. qu'on a des centaines de milliers d'abonnés et qu'on va pouvoir convaincre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Regrouper des points qui se rejoignent, oui, c'est effectivement. Ça peut permettre, disons, de switcher, enfin de porter un mec au second tour ou pas. Bon, bah, Ben on va voilà, rester. par exemple, au Ça, cas où il y c'est. aura un candidat qui serait pas très loin du second tour. C'est ça. Bon, bah, voilà le résumé du programme d'Hidalgo. Ouais, bah c'est franchement, je suis convaincu. Et voilà en gros ce qu'elle m'inspire. Un manteau sac poubelle et un sourire hypocrite. Un manteau sac poubelle, putain, ça me fume. Bon, elle parle des logements bas carbone, ok. Elle parle de l'agriculture. Voilà. L'écologie, c'est bien. Précarité alimentaire, dérèglement climatique, protéger la biodiversité.
Et par Pour contre, l'instant, ça. Nicolas Dupont, j'ai été mauvais an pour l'instant. Il a Nicolas Dupont-Aignan, il a autant de mesures écologiques que Anne Hidalgo. Ouais. Mais. Putain, elle, c'est vraiment que la langue de bois, ça, je trouve ça abusé. Citoyen acteur de la démocratie au quotidien, notre régime est à bout de souffle. Notamment parce que les citoyens ont l'impression d'être dépossédés de leur rôle. Ben, quand tu nous mets des programmes comme ça, Madame Hidalgo, c'est sûr que pff, moi je te dis, j'ai pas envie de faire de la politique en fait, hein. Elle parle du référendum d'initiative citoyenne. Okay. Voilà. Parité réelle, vote, droit de vote à 16 ans. Franchement, je pense qu'on pourra faire un live uniquement sur le. Enfin, le droit de vote à 16 ans, peut-être pas uniquement sur ça, mais sur la maturité, tu sais. Je serais très intéressé de faire Voilà. un live sur toi et sur la maturité. Président qui Alors, garantit mieux l'essentiel en se mêlant moins de tout. moi, le droit de vote à 16 ans pour argument de maturité, je m'en fous. Mais par contre, si tu penses que si t'es pas assez apte à la politique de 16 à 18 ans, moi, je suis pour qu'on le supprime après 80 ans, du coup. Ah mais c'est clair. Voilà. Mais Parce que 16 ans, ça veut dire que tu vas vivre 50 ans dans ce pays, alors que 80 ans, ça veut dire que voilà. oui, c'est clair. Mais moi, et ça, c'est je le télescoperai sur plein de sujets. Genre, genre un permis de conduire ou des trucs du genre, tu vois. Oui, Genre pour oui. moi, C'est sur tous ces thèmes-là, tous les pareil, trucs, tous c'est du les bon arguments du sens. type on n'est pas mature assez à 16 ans. Alors quoi du coup? Alors, Genre, il faut passer un certificat politique pour pouvoir voter. On est sûr qu'il y ait seuls les riches et bien éduqués qui peuvent voter. Je ne sais pas. Si c'est En une fait, le histoire de truc. compétences politiques, personne n'en a vraiment pour comprendre ce genre de discours. Ouais, mais dans ce Que tu aies cas-là, 16 ans ou 18. dans ce cas-là, tu le fous à 8 ans, tu vois. Ouais, Après, de toute pourquoi façon, pas. c'est clair que la tranche des 16-18 votes, je pense pas que ça va faire peser quoi que ce soit. Ah ben si. Ah bah pour moi, ils vont voter comme les 18-25, enfin. Oui, exactement. Ça augmente la tranche Ah, ça augmente 18-25 à cette tranche-là. 16-25. Ça augmente cette tranche-là, ouais. Sauf que quand tu regardes les stats des 18-25, c'est pas trop les stats françaises, tu vois. Les stats françaises. Ah oui, tu veux dire que oui, c'est Les pas la stats majorité. nationales. Parce que, en gros, par exemple, là, globalement, les deux premiers, c'est Mélenchon en 1, Le Pen en 2, dans le vote des 18-25. Donc, en fait, ça fera beaucoup plus d'électorat pour ces deux partis, quoi. D'accord. Et c'est pas un mystère. Si c'est plutôt les partis de gauche qui proposent le droit de vote à 16 ans, c'est aussi parce que ça va leur bénéficier. Oui, c'est sûr. Parce que, voilà. C'est sûr. Macron est beaucoup plus bas sur cette tranche-là que sur les autres. C'est comme la suite de sa phrase, droit de vote des étrangers aux élections locales. D'une Ah certaine oui, mais manière, c'est ça, clair que c'est un après, truc de gauche. ça, pour le coup, je trouve ça, il y a quand même d'autres arguments, c'est que ça, je trouve ça vraiment pertinent, tu vois. Ah bah oui, surtout au local, Parce que si c'est là t'habites où la tu vis, ville, quoi. t'habites la ville. C'est là où tu vis, quoi. Enfin, je comprends C'est. pas. Tu prends les mêmes services publics que tout le monde et tout, et t'es. Enfin, voilà. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que. Enfin, bon, on se fera un live sur ça. Hein. Mais quand tu disais, genre, si tu donnes pas le droit de vote à 16 ans, bah, tu l'enlèves aussi à 80 ans. Moi, je ferais chaud, ouais, d'enlever les trucs à 80 ans, ouais. Si. Bref. Et puis Alors. alors là, pareil, la tranche des retraités, elle vote pas exactement comme le reste de la population. Bah, c'est surtout pour ça. Elle vote à 45% Marine Le Pen au premier tour, quoi. Donc Non, mais évidemment, c'est ça. outre conceptuellement, je suis un peu pour l'idée en termes de stratégie. Ah, c'est sûr. Mais même philosophiquement, tu vois, au-delà du truc de maturité ou quoi, on peut vraiment questionner jusqu'à quel âge tu as un réel intérêt et tu as vraiment ton mot à dire sur la politique à long terme de ton pays. Est-ce que garantir les droits, enfin, faut garantir les droits des vieux et les conditions de vie, bien sûr.
Peut-être par de la, par exemple, créer des conseils élus qui contiennent des personnes âgées volontaires pour la gestion des EHPAD, pour le service du public, parce que tout le monde sait qu'il n'y a que les chaînes de service public, parce qu'il n'y a que les vieux qui regardent France 3, donc bon, ils ont peut-être le droit de dire ce qu'ils ont envie de voir, quelle saison de Julie Lescaut est leur préférée. Mais au-delà de ça, leur demander des trucs sur l'écologie, est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, tu vois. Ouais. C'est pas trop à eux, c'est pas trop sur eux que ça va tomber, tout ça. C'est ça. Tout simplement. Ok, on continue. Allez, continuons. République décentralisée aboutie qui garantit le service public sans ch dans chaque commune. Autonomie financière des collectivités territoriales. Outre-mer. Retrouver le visage de la proximité. Il n'y a rien qui veut rien dire. Ça, C'est compliqué, hein. je ne sais pas de quoi elle parle. Moi, pour moi, c'est compliqué, ça, hein. Un permis de faire permettra aux collectivités territoriales d'expérimenter des dérogations aux règles nationales. Mais quoi? Ok, mais quand, combien, C'est que du texte. lorsque cela est souhaitable? Ah bah Ah non, d'accord, mais bah oui, en effet, c'est c'est que mieux du de le faire texte. quand c'est souhaitable que quand c'est pas souhaitable. C'est que du texte, c'est un truc de fou. Wow. Ah. Ça parle des Outre-mer. Une chaîne dédiée aux Outre-mer. Il n'y avait pas déjà une chaîne dédiée au... Ah, France O, ça a été supprimé? Je Et ne sais même où? pas, moi. Ah, peut-être. Je sais pas. Parce qu'a priori, France O, c'était une chaîne dédiée aux Outre-mer. D'accord. C'était le O de Outre-mer. OK. Replacer la culture au cœur du projet républicain. Là encore. Voilà. Alors, ça en soi, je suis un peu d'accord d'une certaine manière, mais ça m'étonne, vu les élus PS et ce qu'ils disent sur la culture, en général, ça fait un peu peur, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce que ça va dire les intermittents Bah là, elle dit que bien. elle veut que 10% de l'argent public soit réservé à la programmation de nouvelles créations. Donc pour favoriser les jeunes artistes. Un genre de CNC pour toutes les œuvres culturelles, quoi. Ouais. Mais encore plus pour les jeunes artistes, à destination des jeunes artistes. Oui, non, Des mais ouais. artothèques. Donc des médiathèques destinées aux arts plastiques. Mais les congés maternité pour les intermittents du spectacle et un meilleur statut et la généralisation du statut d'intermittent du spectacle aux autres Elle n'en parle professions pas. Elle n'en artistiques, parle pas non là. En tout pas. cas, elle n'en parle pas là. Oui, bah non. Ben, pas, ça parle de rien en fait. Allez, ça zappe. Voilà, on la voit, c'est bien, il y a des belles photos. L'éducation pour bâtir notre avenir. Alors, ça c'est un point intéressant. Ah, ça, Considérer et rémunérer les c'est mon enseignements à truc. hauteur de l'importance de leur mission. Mais c'est aller toujours sur le doublement. Donc Ok, là... formation initiale complète, mais ça, y a déjà des INSPE, donc à partir de quelle année? C'est ça la question. Ouais, donc là, il n'y a Si pas de c'est dès le détails, c'est début, ça le c'est mieux. problème.
C'est le problème. Déployer les pédagogies ouvertes et inclusives, c'est un truc de woke, c'est ce qu'on fait depuis tout le temps. Mettre fin au ghetto scolaire pour rétablir la promesse de la République et permettre la réussite de tous les élèves. Ben ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, faudrait voir. Un plan mixité. Ouais, mais ça me donne envie de frapper des trucs tellement son paragraphe ne dit rien, quoi. Et en plus, voilà, c'est juste des modifications de la carte scolaire, c'est on prend les mêmes trucs qu'on fait déjà, mais on essaye de le faire mieux. Oui, Voilà, c'est ça le et elle te principe en dit fait. en concertation avec l'ensemble des acteurs, tu vois. Oui, mais bien sûr. Mais bon, quand est-ce que c'est pas fait en concertation avec l'ensemble des acteurs? Et oui, pour une réforme de la carte scolaire au niveau local, il faut parler aux membres du cadre scolaire au niveau local. Merci. Voilà. En plus, ça se permet quand même un truc, promouvoir à l'école les valeurs de la citoyenneté et du respect. Donc, elle va pas supprimer l'éducation morale, hein, j'imagine. Le Tout ça, suivant, il est c'est pas juste mal. l'éducation civique. Et en fait, ben, c'est déjà fait, tu vois. Par exemple, transmission, là, antisémitisme, racisme, LGBT-phobie, sexisme et je sais pas quoi. Mais j'en fais des interventions comme ça. Je vais en faire prochainement. Donc ça y est déjà. Oui. Et du coup, c'est juste un enseignement civique repensé et renforcé. Mais comment? Est-ce qu'elle crée un CAPES d'éducation civique? Comment est garantie la neutralité de ce truc de merde? Les atteintes à la laïcité, est-ce que ça veut dire les gourmettes ou est-ce que ça veut dire que le voile, comme d'habitude? Bah ouais, Ah, j'en le petit sais rien. paragraphe Samuel Paty, seront protégés de toute pression extérieure sur la pédagogie ou les programmes. Ben, moi, en tout cas, ça, j'ai pas eu le droit et ça m'étonnerait que ça change. Hein. Parce que moi, les pressions des parents, j'en ai eu. Donc, concrètement, voilà. Ouais, ça c'est compliqué pour que ça change. Et ça ne changera pas. Enfin, si, ça... enfin, tu pourrais, mais c'est compliqué, quoi. Tu renonces à des trucs qui sont super importants. C'est ça. Bah, tu Donc, renonces à tout dialogue, à mon avis. c'est pas qu'il y aurait rien à faire pour ça. Il y a sans doute des trucs à discuter. Mais il faut dire autre chose que ça, quoi. Que la lutte contre le harcèlement scolaire sera un sujet de grande mobilisation. Oui, d'accord. C'est Putain. déjà un peu le cas, en fait. Ça devrait Non l'être mais plus, oui. ça Non mais devrait l'être mieux, elle te dit mais est-ce que ça ça va être plus et mieux? C'est ça qu'on elle veut te dit ça savoir. devra donner lieu à une réponse de l'institution. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bah oui, c'est presque terrifiant. Ça veut dire que pour l'instant, on marche tellement mal que des fois, il n'y a pas de réponse. Et du coup, Putain. pourquoi il n'y a pas de réponse? C'est Et quoi le regarde, problème? regarde, regarde. En passant par le dialogue avec l'auteur du harcèlement et si nécessaire par sa sanction. Bah Merci ouais, l'institution. c'est une Oh idée vraiment. Donc en gros, merde. convoquer les gens qui foutent la merde chez le CPE, les faire parler avec la personne qu'ils agressent, et s'ils n'acceptent pas, leur donner 2 heures de colle. C'est vrai que ça va révolutionner l'école, ça, je pense. Maintenant qu'il Ouais, y a ça. putain. Alors, vas-y, le paragraphe suivant, j'aime bien aussi. Ah bah, supprimer Parcoursup, ça c'est clair, je sais pourquoi il faut le supprimer. Ok, tu vois. Ouais, mais genre, tu te Au moins. remplaces bien par quelque chose. Et ben, par des règles justes et humaines d'accès à l'enseignement supérieur. Ah, super. Elle dit que des Non. places seront créées pour diminuer la pression sur les formations les plus demandées. Ça se traduit comment ça? Ça veut dire quoi? Des places seront créées pour diminuer la pression sur. Je ne vois pas en quoi ça résout le sujet de Parcoursup. Ben, d'autant que c'est pas ça cible même pas tellement les voilà les problèmes de Parcoursup. Il y a le fait que les règles elles soient pas très transparentes, Ouais. mais même pas du tout. Donc en vrai, si ce qu'elle propose c'est la suppression de Parcoursup
pour la réexamination un peu plus individuelle des dossiers, comme ça pouvait se faire avant, plutôt qu'une attribution comme ça, en mode full algorithmique ou je sais pas quoi, ben, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup de payer des gens de l'administration à trier des dossiers, tu vois, s'il faut. Donc peut-être. Mais dans tous les cas, Parcoursup, oui, il y a plein de problèmes. Ça n'a pas marché, en fait. Il ne marche pas, ce truc. Il y a eu des gens qui sont retrouvés sans rien. C'est juste sans savoir les problèmes, concrètement, il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. Ouais. Donc, ça crée des situations qui sont moisies. Donc en fait, elle fait. Mais t'as l'impression qu'elle fait un constat et que derrière, elle propose rien, quoi. Ben, oui, mais alors ça, je vais te dire très précisément pourquoi il y a ça. C'est parce que l'UNEF est un des syndicats étudiants les plus grands et c'est une des bases principales de votre PS encore maintenant, parce que c'est le syndicat lié au PS, le Ouais. syndicat étudiant historiquement lié au PS. Et du coup, évidemment, il faut prendre une ou deux de leurs mesures, même si tu les expliques pas, et du coup, supprimer Parcoursup, ça fait plaisir à... Ouais, ok. Voilà. De toute façon, ça va être pour le programme Hidalgo, c'est un peu pour les profs, fils de profs, la bourgeoisie culturelle, quoi. C'est, on en est le public historiquement du PS. Sauf toi, tu es censé être plus à droite. Bien sûr. Garantir un accompagnement individualisé aux jeunes qui décrochent scolairement. Hein, Toujours mieux permettre aux jeunes de que trouver la Nicolas voie d'impliquer, Dupont-Aignan. d'ouvrir. Ouais, ok. Bon, elle propose rien. Enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? 60% de chaque classe d'âge en seront diplômés. Ah. Donc, elle veut ramener plus de monde dans l'enseignement supérieur. Plan de rattrapage, conditions d'accueil d'enseignement. Ben ça c'est bien, mais du coup les mesures, est-ce que Elle parle de l'alternance, elle parle de elle l'alternance. permet les bourses pour la reprise d'études? Est-ce que ben là dans les trucs de Pôle emploi, commencer maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Comment on atteint ces 60% de chaque classe d'âge? Ben, Je ne veux pas un objectif, je veux un changement. Oui, monsieur, d'accord, monsieur. J'ai l'impression qu'elle t'oriente ça sur l'alternance. Pour, Oui, bah en gros, en gros, les mecs qui font pas moi, d'études supérieures, c'est ce parce qu'ils qu'elle a l'air bossent. de dire, c'est qu'en gros, les plans de formation de Pôle emploi ou intra-professionnel. Par exemple, les profs, ils ont un régime de formation, tu vois, c'est Canopé, je crois, je sais plus qui gère ça. Il y a un groupe qui gère la formation, le continu des profs. Ben, tu peux lui donner plus d'argent. Hein? Je pense que c'est ça. C'est de toute façon... En général, c'est ça que fait le PS. En fait, le but, c'est de faire des actions sociales en filant plus d'argent. Toutes les petites institutions, aux associations, aux trucs comme ça. D'accord. Normalement, c'est ça la politique PS. Ok. Tu gardes full libéral dans tout le pays, mais tu files des aides aux trucs plus petits. D'accord. Ok. Voilà. C'est ça qu'ils font là en ce moment, tu vois. Donc, tu fais pas de loi pour supprimer la BAC dans les quartiers. Mais tu donnes 2000 euros à une association anti-police. Ouais, ok. Ou pour. Enfin, anti-police, faut pas le dire comme ça. De dialogue entre la population locale et les forces de l'ordre. Voilà, tu finances Devis ma vie sur France 2, où il y a un jeune de banlieue et un mec de flic. C'est ça, les mesures PS, tu vois. C'est pour ça que ça veut un peu rien dire, c'est que ça va être vraiment au cas par cas, je pense. Ouais. Si Alors. elle était élue, mais qu'elle ne va pas être élue, en fait. Oui. Est-ce qu'on passe un peu là? J'ai Sécurité envie de jarter sociale. des trucs. Ben, elle reste à la retraite à 62 ans, donc voilà. Ah, attends, elle parle de la choix, du choix d'une fin de vie digne. Mmh.
Soins palliatifs. Ok. Alors, ok. Pour les jeunes, par exemple, Mélenchon, c'est 1 000 euros par un mois de tes 18 à tes 25 ans. Là, c'est 5 000 euros à 18 ans. Et de Donc, combien en à gros, combien il disait ben, Mélenchon, tu disais? de quoi? Pour Mélenchon, t'avais dit combien? 1 000 euros par mois. Là, c'est 5 000 Pendant euros une fois. combien de temps les 1 000 euros par mois? Pour tous les étudiants et pour tous les, en fait, pour tous ceux qui ne sont pas déjà au SMIC. Voilà, qui ne sont pas D'accord. salariés. Et voilà. Donc, en gros, tu as un. C'est un mélange de bourse et de RSA jeunes, ça remplace un peu tout ça, c'est 1 000 euros pour tout le monde par Ok. mois. Et là, c'est 5 000 euros en tout. Et ça, moi, 5 000 euros une fois à 18 ans, bah, ça finance moins d'un an d'études avec le logement. Déjà, bof, qu'est-ce que t'en fais? En plus, il y a le problème de la Non, répartition, c'est ponctuel. c'est bof. Il n'y a pas de quoi t'acheter un logement. Parce que par exemple, on pourrait envisager ça. À 18 ans, on te fournit un logement. Tu le vends si tu veux, mais tu as un appart de 20 mètres carrés. Pourquoi pas? Mais alors là, avec 5 000 euros, ben, tout ce que tu peux t'acheter, c'est Ils vont un s'acheter une petite ordinateur voiture. et 3 mois de fac, quoi. Une petite Tu voiture. peux même pas payer tes frais d'entrée dans une école privée, par exemple. Tu es quand même obligé de faire un crédit étudiant. Ouais, donc en Les fait, écoles privées sont à plus de 5 000 euros l'année. tu n'as pas. Bon, Ce n'est pas un moyen d'émancipation, c'est rien, quoi. ben oui, donc Autant avec ce n'est 1 000 balles, tu pas. peux dire, bon, bah, je vis ma vie, peut-être. Enfin, je vis ma vie, comment dirais-je, sobrement, très sobrement même, avec 1 000 balles. Mais au moins, tu peux vivre ta vie. Alors que Voilà. 5 000 balles, ça, Alors que tu vis 6 mois en fait. si tu as une allocation mensuelle, ben on pourrait imaginer des crédits étudiants qui seraient remboursés à la fin des études par ton allocation mensuelle. Ouais. Ou, ben, tu vois, Mmh. au moins en partie, ou au moins élevé. Déjà, ça change énormément de choses. 1 000 euros, c'est pas assez pour vivre confortablement à Paris, probablement. Mais en province, c'est de quoi habiter dans mieux que un logement du Crous moisi de 8 mètres carrés avec chiottes et douches communes, nettoyé une fois par semaine et utilisé par trop de personnes. Ouais. Du coup, ben, ce n'est pas la même chose. 5 000 euros, c'est regardez, on vous donne de l'argent. Ouais, 5 000 euros, c'est le buzz. C'est en mode ça paraît être énorme parce que c'est un chiffre. Parce que c'est pas rien, 5 000 euros, tu vois. Mais en one shot comme ça à 18 ans, tu sens que c'est encore un truc pour prendre des voix, quoi. T'as l'impression. Ben, ça fait longtemps qu'il serait plus là, tu vois, en fait, à la fin de tes études. Pour Bah peu que oui. tu fasses des études un peu longues, mais même un BTS. Si en plus ça remplace d'autres aides sociales, pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Parce que par exemple, les bourses au plus haut degré, bah, ça t'économise de payer les frais de fac, qui sont de 500 euros. Plus les 700 euros que tu touches par mois, bah, tu es déjà à plus de 8 000 euros, en Ouais. fait. Donc déjà, les bourses te donnent plus de 8 000 euros par année d'études, par exemple. Et Donc si ça supprime les bourses, ça veut si dire ça quoi ça? diminue les bourses pour faire ça, ben c'est un truc pour nous la mettre à l'envers. Ça veut dire quoi sous condition de ressources? C'est quand t'es pas trop riche. Ok. Oui, bah ça c'est forcé, t'es forcé de le mettre dans tous ces trucs-là. En gros, c'est pour pas filer 5 000 euros en plus au mec de 18 ans qui vient Jean-Philippe, d'hériter ouais. de Bernard Arnault et qui a 500 milliards déjà, tu vois. Ok. Alors le logement, elle nous dit un truc sur le logement. Encadrement des loyers. Pareil, hein. Pas très Aucun ménage ne devra être contraint de dépenser plus du tiers de ses revenus pour se loger.
Ça peut vite être de la merde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir 4 fois le salaire pour qu'on t'accepte dans un logement? Ouais, 3 fois le salaire. Pour l'instant, 3 fois. Mais là, si c'est 25%, du coup, ce sera 4 fois Tu vois ou où ça, 4 ans. 25%? 25. Non, c'est pas ça que t'avais. Ah Non, bah non, j'avais c'est pas. un tiers des revenus. Un tiers des revenus, bah en fait, c'est déjà ce qui est le cas, en fait. C'est juste que du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu as moins de 3 fois le loyer, et ben on te le loge pas. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, quand tu es au-delà de ce seuil, tu aurais une allocation logement. Ouais. Pour dire, ceux qui dépensent plus d'un tiers des revenus pour se loger, ils ont une aide. Ok. Mais bon, elle Donc, précise rien. en gros, augmentation de la CAF, faudra faire le Ouais. calcul. On va faire le calcul pour voir où ça en est actuellement, la CAF. Ah, parce que c'est concrètement ça. Hein, ce C'est n'est rien ça. de différent. C'est ça. Donc, quid de l'accès au logement quand tu n'as pas de garant, quand tu n'as pas de CDI? Quid de tout le reste, en fait? Ouais. Ouais, c'est creux. Et... Vas-y, on enchaîne. On enchaîne, on Parce que si enchaîne. à la fin on te fournit que des logements du Crous de 8 mètres carrés, ben je sais pas si tu as vraiment résolu le problème du logement en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la sécurité, la justice? Bon, lutte implacable contre les violences faites aux femmes. J'y comprends rien. Présence des policiers et des gendarmes sur le terrain sera renforcée. Donc elle renforce la police gendarmerie. Oui, ben plus de services publics. C'est un peu la base, hein, aussi. Bon, ok. Justice Donc vous savez quoi. indépendante. Ah, elle réduirait les prisons. C'est bien. Elle veut des alternatives à l'incarcération. Liberté surveillée, placement sous surveillance électronique, C'est travail bien d'intérêt parce que général, même si amende. évidemment elle ne le ferait pas, ça veut dire que jusqu'au PS, on commence à avoir ce genre de phrase, quoi. Pour une sanction qui éduque. Ah, par contre, oh là là, mais leurs éléments de langage. Ah, tu vois que c'est bien des profs. C'est des profs mentaux, quoi. Pour une sanction qui éduque. Par contre, c'est intéressant quand elle dit, enfin, renforcer le service d'insertion. C'est sûr que Oui, bah au c'est. moins elle dit qu'elle va aller dans ce sens-là. Oui. Donc c'est mieux d'aller dans ce sens-là que dans l'autre sens. Bien sûr. Moi je trouve. Enfin, Bien moi je suis sûr. plutôt pour ce sens-là. Bon, ensuite, Contrairement elle parle à des Nicolas Dupont-Aignan ou discriminations. Jean Lassalle qui sont pour l'autre sens. Oui. Tu vois? Ok. Alors, reconquête économique par l'écologie. Alors, réindustrialisation, donc tac tac, qu'est-ce qu'elle dit? Ils veulent faire un fonds pour refaire du développement industriel écolo. Si je comprends bien, ce qui lui servira donc de faire de l'écologie et de redynamiser la France. Plus grande association des salariés aux décisions de l'entreprise. Les entreprises de plus de 1000 salariés devront compter 50% d'administrateurs salariés. Je sais pas du tout actuellement où c'en est ça. Conditionner les aides publiques aux entreprises à un strict respect des critères sociaux et environnementaux.
Tu donnes des aides que quand c'est respecté. Bon, ça, ok. Économie sociale et solidaire. Création d'emplois. Bon, pour qu'elle soit sociale et solidaire, en gros, ce que ça dit, c'est qu'elle doit être sociale et solidaire, c'est ça? Ouais. Mais sinon, comment ça se passe? Mais au moins, ça aussi, c'est quand même un peu passé, tu vois. L'idée que bah, c'est bien gentil de consommer mieux, mais les pauvres, ils n'ont pas d'argent pour consommer mieux parce que ça coûte cher Biocoop, tu vois. Ouais. C'est un peu passé, cette idée, quand même. Alors, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Bah pour voilà. Plutôt pour. Pour une Europe sociale Transition voilà. écologique. Alors, elle parle de quoi là? Programme ambition en matière de salaire minimum. Égalité homme-femme. Ok. Europe plus juste OK. économiquement et socialement. Politique d'asile. Solidarité des États membres en fonction de leur capacité d'accueil. Bah, c'est bien. Elle, au moins, elle dit pas qu'elle va virer des immigrés ou les Ah! confiner chez eux pendant 5 ans, ceux qui demandent le droit d'asile, là. Parce que sinon, J'imagine que c'est mieux que rien. actuellement, c'est le premier pays d'entrée qui est responsable du traitement des demandes d'asile. Ok. Ok. Du coup, c'est l'Allemagne, là? Bah, probablement, ouais. Ou la Pologne? La Pologne. Bien sûr. Non, je sais pas. Non, non. Bah, la Pologne, ils ont un gouvernement d'extrême droite, donc si tu veux, ça m'étonnerait un peu, Ah tu oui, bah ça dépend de la politique de chacun, c'est sûr. vois. Alors que l'Allemagne, ils ont fait des plans d'accueil des immigrés. D'accord. Du coup, c'est pour ça que je dis l'Allemagne, c'est pas que en taille. Ok. Oui, non, mais je pensais en position, quoi. Diplomatie climatique ambitieuse. La lance de l'accès à la santé partout dans le monde. Ouais, Programme c'est. budgété et financé. Ouais, ben là, j'avoue que c'est bien hein, quand tu as dit, par exemple, pareil, hein, les droits LGBT partout dans le monde, faire des grands discours de paix et je sais pas quoi. Mais concrètement, quel moyen d'action elle va vraiment avoir là-dessus? Elle met rien. C'est pas trop, Pour quoi. ça, elle dit qu'en gros, il y a encore des pays qui ont même des peines de mort sur ça et qu'il faut les convaincre de plus mettre de peine de mort. Ben oui, mais bon, oui, ce serait bien. Elle fait rien Mais d'autre. ben voilà. Bon, on a fini Tous Anne les trucs Hidalgo. internationaux, c'était un peu des belles promesses quand même. Enfin, tout était un peu des belles promesses. Bah Hein. ouais. Enfin, ou des moins belles promesses. Il y a aussi des trucs où tu sais clairement que ça va être. Mais à chier, Bon, quoi. est-ce qu'on se fait Roussel dans la foulée et on dit qu'on a fait la moitié? Je vais ouvrir le programme de Roussel, si ça dépend. Il intéresse bien. Suçon, la paix Roussel. Déjà, il fait 67 pages. C'est le plus long programme. Est-ce qu'il y a... En fait, 67 pages sur deux colonnes. C'est un bouquin. Oui. Est-ce qu'il y a des petites fiches à l'occasion? 2 euros, c'est un putain de bouquin. Oui, sans doute, ça se fait. Bon, il n'y a pas de petites fiches. Il y a 180 mesures. Ça va être un peu long là. Mais c'est des vraies mesures, par contre. C'est pas comme Hidalgo, ça a l'air d'être, tu vois, genre désengagement du Sahel. Peut-être que le sommaire, ça peut suffire. Alors attends, le sommaire, il nous dit quoi? On peut zoomer un peu là. Voilà. Bah, d'autant qu'il y aura plein de trucs qu'on a déjà vus, hein. Ouais, on voit si le Il va sommaire chier. est suffisant. Ouais, bah non, non, trop, trop. C'est Bah, trop. j'aime bien comment il est construit.
avec des objectifs, mais aussi des moyens. J'aime bien cette idée. J'aime bien ça, la forme de ce bouquin. Révolution du travail et revalorisation des salaires, sécurité de l'emploi et de la formation, priorité Ouais, au bien bon, ça commun va être... pour des Ouais. services publics et une sécurité sociale du 21e siècle. Bon, bah, ouais, là, c'est pas trop dur de dire quelle est la mesure, hein, mais tu vois l'idée. De toute façon, Oui. c'est communisme, c'est tout. La jeunesse à venir de la France, pour un pacte, donc ça, c'est le droit de vote. Pour un pacte qui respecte les jeunes et engage la nation. Nouveau modèle de développement pour nous libérer des dégâts sociaux, écologiques et capitalistes et climatiques du capitalisme. L'heure de la révolution féministe pour en finir avec les inégalités, les violences, la société patriarcale. À la conquête de Ouais. l'égalité réelle et de l'émancipation pour que chacun et chacune ait une vie digne, sécurisée, heureuse. Et ses moyens, c'est s'attaquer au coût du capital et à la dictature de la finance. C'est raccord, ça ne me surprend pas. Prendre le pouvoir sur l'utilisation de l'argent. Bon, ça, j'imagine que c'est de la transparence, c'est les aides, c'est tout ça. Bâtir une nouvelle république, rendre au peuple sa pleine souveraineté. J'irais bien lire celui-là dans le détail. Ouais, je serais curieux de lire Ouais, celui-là. il pourrait y avoir. Agir pour Mais transformer bon, l'Europe de c'est fond un en peu comble, comme redonner à la France une voix indépendante en faveur de la sécurité humaine et de la paix. J'irais bien lire La Nouvelle République, moi. ben, pourquoi pas. Page 103. Moi, ma question sur lui, c'est au niveau de l'immigration et des musulmans. Parce que globalement, les communistes, ils ont beaucoup péché sur cette question-là. Les On communistes regarde ça français. juste après, mais ça me va aussi. Je n'ai pas Alors. vu où c'était. À mon avis, il ne parle juste pas de ce point. On va fouiller, on va fouiller. On va lire entre les lignes. Il sera proposé, alors, donc, en matière de république et de souveraineté, il sera proposé au pays et au Parlement d'engager des changements majeurs, des équilibres institutionnels. Ah. Élection au suffrage universel sera supprimée. La primauté reviendra au Parlement. C'est l'Assemblée nationale qui investira le Premier ministre et le gouvernement. Eh oui, ben ça, oui. République parlementaire. Abrogation du 49-3. En même temps, ils n'ont que des élus locaux, le Parti communiste, évidemment, qui veulent ça. Abrogation du 49-3, ouais, c'est bien. Article 40 qui rend irrecevable toute proposition des parlementaires visant à proposer des augmentations du budget de l'État. D'accord. Plus d'immunité judiciaire. Une réflexion sera organisée sur la transformation démocratique du Sénat. Ok. Donc c'est le Parlement. Proportionnelle intégrale. La parité. Un droit de pétition près. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que ça a un rapport avec le référendum, le RIC? Non? Pas tout à fait. Parce que là, en fait, la proposition, elle aboutit pas à un référendum où tu votes. En fait, elle est juste proposée à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale vote. Ok, oui, c'est d'accord. C'est pour proposer, c'est pour inscrire une proposition, effectivement. Ce qui est peut-être pas bête. Ouais. Tu vois, parce que ça peut permettre d'éviter de faire passer des mesures trop racistes parce qu'il y a 1 million de connards qui sont décidés, viens, envers tous les immigrés, toi. Oui. Bien sûr. Donc, si ça permet notamment de refaire respecter les trucs, les règles constitutionnelles, les droits de l'homme ou je sais pas quoi,
Bah, Ça peut peut-être être que une c'est solution. une réponse un peu à ce que tu me disais en tout début, ou peut-être même hors live. Non, c'est Ça tout peut début, l'être. Ça peut l'être. au sujet Ça de peut l'être parce qu'il y l'influence a moins de d'intérêt à la médias ou de propagande. mecs connus, quoi. Tout revient à comment on fait un système juste pour. Bah, de toute façon, comme c'est parlementaire, là, c'est tout l'Assemblée nationale qui gère tout. Oui. Donc la question, c'est tout va être dans comment elle est élue. Et là, elle est élue à la proportionnelle. Bah, Oui. c'est déjà mieux, en vrai, la proportionnelle. Donc il y a du mieux. Pour moi, ça me paraît être un système mieux. Oui, bah c'est oui, c'est sur le sujet de la démocratie, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, à voir quel problème ça pourrait poser. Si, Mmh. comme, mais ça, c'est des trucs où faut le faire, voir les problèmes que ça pose et le corriger, quoi. Ouais. De toute façon, s'il y a un changement de régime global, ça va forcément créer des problèmes, quoi. Il C'est y a sûr. forcément des institutions, ça va pas marcher tout de suite. C'est sûr. Voilà. Donc il faut accepter que voilà. Mais après, si la Belgique arrive à faire des trucs sans gouvernement. Putain. Ils sont forts, hein. Nouvelle étape de décentralisation. Alors, c'est quoi ça? Donc ça, c'est qu'il veut ramener le truc au local, c'est ça, si je comprends bien. Accroître les prérogatives des collectivités. Ok. Ah, si c'est ce que je pense, hein. Ça pourrait, si je comprends bien, ça pourrait être une mesure intéressante. Ce que je Donc, viens de il n'a dire pas là, l'air ou de proposer d'assemblée constituante vraiment où on change totalement la démocratie, juste s'il change la constitution, voilà. t'es où là? T'es sur quel Enfin, le petit paragraphe? thème. Mais tu vois, quand il dit des assises de la démocratie territoriale seront réunies pour aller vers une nouvelle architecture territoriale, ça, si c'est des genres d'assemblées constituantes locales où on organise le pouvoir politique de façon territoriale, c'est peut-être une bonne solution plutôt que toutes les régions soient organisées exactement pareil, l'organiser région par région sur le fonctionnement de la Oui. région, il y a peut-être un truc. C'est peut-être avantageux ça. Donc si c'est ça, il m'étonnerait que ce soit à ce point, hein, mais si c'était ça, ce serait une idée de passer vraiment à un truc un peu fédéral, quoi, mais fédéral communiste, organisé par le peuple. C'est quasiment l'autre truc là. Ah, comment il s'appelle? Il y a un écrivain qui est anarcho-communiste, je sais pas quoi, là, qui propose ça, en gros. Un truc de commune rassemblée. D'accord. Mais en mode un peu vénère. Je sais plus comment il s'appelle. On essaie de choper le truc sur les immigrés. Ça peut être. Tranquillité publique. Si c'est là-dedans, ça fait peur. T'as vu ça où? C'était juste après ce qu'on lisait. Ah merde, c'était là où j'étais? Y avait un truc sur les discriminations. Là où j'étais tout à l'heure? Oui, mais c'est pas grave. Non, non, mais je Alors retrouve. attends, il est où le truc sur. On Voilà, pour en était finir là. avec les inégalités, les violences, la société patriarcale. Moi, je veux voir. C'est où ça? Page 65, il y a marqué. C'est Ok. dans les objectifs. D'accord, ok. Là, on est Oui, t'as un page peu de 108, latence avec ça moi. doit être avant. C'est pour ça. Alors, On voit là, c'est pas mal. égalité salariale, droit à l'IVG, gratuité des protections hygiéniques, constitution, plop, plop, plop. Et au moins,
Là, il y a des vraies mesures, tu vois. C'est pas C'est des on vraies va sur mesures. la parité, c'est Ah on crée un non. ministère du droit des femmes. Ça c'est sûr que c'est pas Hidalgo. Victime d'obtenir justice, les inégalités. Ah, gratuité des protections hygiéniques, ça c'est. Ah oui, Pourquoi t'es là, pas? ouais. T'as un peu de latence Tu vois, quand ça c'est même. pareil, c'est une vraie mesure, je comprends très bien ce que ça veut dire et pourquoi c'est pertinent. Oui. Non mais c'est bien, c'est clair. Ah, vie digne sécurisée, là, il en parle de la sécurité. Combattre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Y a juste marqué ça? Non, il y a plein de trucs. Ah oui, voilà. Acte raciste sanctionné sans faiblesse. Ben, super. Pour accueillir les populations migrantes. Ouais. Il en parle pas trop. Ouais, ça devrait être là, hein. Évidemment que ça devrait être là. Donc, ils gardent les lois de laïcité, ils gardent les contrôles. Donc, il va ni dans un sens ni dans l'autre, quoi. Ouais. Là-dessus. Attends, si je fais une recherche. Non, mais de toute façon, bon, moi, de ce que j'avais entendu. Y a rien sur le. Il y a le petit paragraphe sur les personnes intersexes. Bon, elle, j'espère que c'est un des scandales que quoi qu'il arrive, enfin, tu vois, en vrai, je pense que Macron, c'est le genre de mesure qu'il pourrait et devrait prendre. S'il veut continuer à remettre à l'envers à tout le monde, un geste fort, ce serait les mutilations des personnes intersexes. Tout le monde s'en branle. À part les concernés où c'est horrible, c'est vraiment horrible, tout le monde trouvera ça mieux, mais il n'y a pas de. Enfin, tout le monde s'en branle, je veux dire l'extrême droite, tu vois. Ils vont pas venir faire chier pour ça. Oui. Donc, il y a un truc, tu vois. Ça devrait passer quand même, et puis au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, quoi. En plus, c'est ouais. Je suis Bon, ils d'accord. vont faire comme d'hab, ils vont dire les woke pendant 15 jours. Puis après ils se calmeront parce que bon, ils se rendront compte qu'ils connaissent aucune personne intersexe de toute façon. Putain. Bah, c'est un peu Bon. vrai. Surtout les droitards, c'est pas le genre de public vers lequel ils vont le plus spontanément, Ah, tu vois. ça c'est sûr. C'est. Ça c'est sûr. Bon, et eh ben écoute, on s'arrête là. Eh ben oui. Et on espère que qu'on saura faire les autres en un live. Ouais. On va recaler ça du coup. Ouais, bah ouais. Je Ouais, pense que c'est notre ça. format n'est pas bon et que c'est très chiant, Ouais, mais au attends, moins c'est rigolo de le sujet, regarder le c'est lire les programme, quoi. programmes, hein, mon pote. C'est clair que tu fais un peu dans le chiant de base, quoi. Ben ouais. Au moins, on les aura lus une fois ensemble. On a fait la moitié. Bah ouais. Et après, on les note à la fin. D'accord. Tous, 0 sur 10, sauf un. Bon, Celui pour qui il faut voter, vous le exactement. savez dans votre cœur. Exactement. Tu nous fais de l'Hidalgo là. Bon, bah, c'était très Non, bien, bah, c'est très chouette. 2h30 non, quand même. non, ne votez pas Hidalgo, ce n'est pas ça que je voulais dire. Non, mais tu faisais comme elle. Ouais. Alors, eh ben, merci à toi. On se recale ça. Ben. C'est quand le bazar? C'est le 10 avril, je crois bien. Et oui. 10 avril pour le premier tour, 24 avril pour le deuxième tour. Donc, faudrait peut-être la semaine pro. Enfin, oui, la semaine pro, parce que c'est la Que je semaine. fasse ma procuration d'ailleurs.
où il y a le 10. Moi, j'ai fait le changement de mairie. Mais tu peux plus le faire. Non, je sais. Bon, on regarde pour ce week-end ou alors dans une semaine, pile, comme tu veux. On s'en rediscutera, de toute façon. Voilà. Et ben là. Eh ben, très bien. Eh ben, c'est Terminus. Merci encore à toi. On s'est bien. Moi, je me suis amusé comme un petit fou. Ah ouais, c'était vraiment le grand fun. Bah, ce qui est cool, c'est que ça on défriche sur des sujets qu'on devrait retrouver plus haut en théorie. Ben oui, Et hein. là, on pourra en Ben oui. discuter, mais en gros, on a. Franchement, je pense que le programme qui va être le plus différent de ce qu'on a déjà vu, ben en fait, ça va être celui de Macron. Ouais. Ben ouais, parce que tu vois, les mesures de droite, augmenter la police, l'immigration et tout, ben forcément, ça va être le cœur de Marine Le Pen et tout. Zemmour, Pécresse, ils vont avoir les mêmes trucs. La seule question, c'est parmi eux, lequel arrivera à sortir le plus de dingueries au niveau de. Ben en fait, on n'a pas eu les programmes libéraux encore. Ouais, c'est vrai. Ils sont tous un peu, à part celui d'Anne Hidalgo, mais comme Anne Hidalgo a dit rien, c'est Ouais. vraiment. Donc on n'a pas encore eu les mesures de dingue, genre retraite à 65 ans, fin de l'université gratuite, fin des urgences gratuites, Putain de merde. suppression du Ben, on va RSA. s'amuser. Au prochain numéro. Spoiler, au prochain numéro, vraiment, on se fend la poire. Ouais, alors On là, va rigoler très on va fort. voir le second tour Macron-Le Pen, à quel point toutes les mesures sont magnifiques des deux côtés. Et Ouais. on prépare ensemble l'apocalypse. C'est ça. Bon. Eh ben, en tout cas, bonne soirée. Et puis du coup, à ce week-end ou la semaine prochaine.